Bonsoir, ici Cathy Bellet, en direct de l'École Le Littoral de Grande-Rivière. Bienvenue au débat des 6 candidats à la préfecture de Rocher-Percé. Ce soir, vous pourrez entendre les candidats défendre leur position politique et sociale avec l'animateur-modérateur Roger Clavet, qui gérera les tours de parole, allocutions, blocs de questions, d'intervention des candidats et du public. Cette émission à caractère public est rendue possible grâce aux télévisions communautaires qui desservent la MRC. Télévision Grande-Rivière réalise avec Télévague cette tribune en collaboration avec le journal Le Fou de Bassan. Laissez-moi vous glisser un mot sur chaque candidat avant de vous amener vers le plateau où se tiendra le grand débat. Par ordre alphabétique, ce premier candidat a fait carrière pendant plus de 20 ans comme officier d'administration dans les Forces armées canadiennes. Élu maire à deux reprises dans Gascon, puis dans Port-Daniel-Gascon, il a fait office de préfet pour la MRC jusqu'en 2013, M. Maurice Englehart. Ce prochain candidat est ingénieur de métier. Il a travaillé à la baie James, puis il a donné 30 années dans le domaine municipal, dont 10 comme employé à la MRC et 20 années comme directeur des services à la ville de Chandler, M. Philippe Berger. Le candidat suivant, membre fondateur de la coalition Assurance-Emploi Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, est issu du monde du journalisme. Il a fait du syndicalisme pour la CSN, puis a été élu en politique fédérale comme député bloquiste pour la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, M. Reynald Blais. Cette première candidate œuvre pour la Société Alzheimer de la région. Elle a fait carrière dans le milieu correctionnel comme directrice régionale des services de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et comme directrice des centres de détention de New Carlisle et Percé, Mme Suzanne Bourget. Titulaire d'un certificat en gestion des ressources humaines, diplômée en sciences politiques, ce candidat a aussi fait un an d'études supérieures en Europe. Avant d'être conseiller municipal pendant 4 ans à Maria et à Chandler, il a travaillé 6 ans pour la MRC du Rocher-Percé, M. Benoît Caillouette. Propriétaire en hôtellerie, cette candidate diplômée en sciences politiques et spécialisée en développement régional a été présidente de la Chambre de commerce du Rocher-Percé, vice-présidente de l'Office du tourisme de la région et membre du comité de suivi de Simon Mekinis, Mme Nadia Karina Minassian. 6 candidats au profil diversifié, et c'était au journaliste Roger Clavet d'animer le débat. Le voici pour présenter d'abord les règles et les procédures à suivre pour tous et chacun. Merci, merci beaucoup, Cathy. D'abord, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être venus en grand nombre ici à la polyvalente de Grande-Rivière. Vous savez que c'est un débat assez unique. Moi, je vais agir ce soir. Je suis éditeur du journal Le Fou de Bassan, mais ce soir, je vais animer et modérer, si on a besoin de le faire, le débat. C'est un grand débat, puis c'est une grande première télévisée parce que c'est la première fois que c'est rendu possible ce genre d'initiative grâce à TVCGR, la télévision communautaire de Grande-Rivière, et également Télévague de Saint-Godefroy qui diffuse ce débat en direct et en différé. Et ça veut dire qu'il y a des gens en ce moment ici qui vont pouvoir participer au débat. Il y en a à la maison qui vont pouvoir le faire par courriel. Il y a l'adresse qui va apparaître à l'écran. Mais en même temps, ça nous permet de dire que c'est bien de travailler ensemble, sortir du vase clos. Donc, avant d'entamer ce grand débat-là, ça me ferait plaisir de vous rappeler rapidement les règles, le déroulement. Ces règles et les modalités de déroulement, sauf erreur, ont été approuvées par les 6 candidats. Alors, vous n'avez pas changé d'idée, ça va toujours. Alors, on va y aller. Je vous rappelle un peu les règles. D'abord, il y a eu un premier tirage au sort qui s'est fait, qui va déterminer l'ordre d'intervention de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça a eu lieu tout à l'heure. Il y a, dans un moment, des allocutions d'ouverture qui vont commencer. Chaque candidat aura 2 minutes pour s'exprimer. J'ai mon chrono. Alors, on va surveiller ça. Mais on ne sera pas à cheval trop là-dessus. Il faut garder quand même un certain dynamisme. Il y a un premier bloc de questions qui va être posé aux candidats après leur mot d'ouverture. Chacun ou chacune des candidats aura à répondre à une question, la même question, à tour de rôle. Mais la différence, c'est qu'ils n'auront pas le droit de réplique. Mais pas encore. Ça s'en vient. Le deuxième bloc, celui-là, est interactif. On va permettre des échanges. Et ce sera sur un thème abordé lors du premier tour, lors de la première intervention. Alors, les gens pourront poser des questions ou s'interpeller au besoin. Mais interpeller, on s'entend, tout ça doit se faire dans des termes respectables, civilisés. Et j'ai bien confiance qu'avec la qualité des personnes qui participent au débat, ça va bien se passer. Chaque candidat dispose d'un temps égal d'intervention. Le temps, malheureusement, qui n'est pas utilisé, ne serait pas cumulatif. Alors,
aussi bien utiliser chaque seconde. Évidemment, pas d'attaque personnelle, pas de propos disgracieux ou même de procès d'intention. En cas de rappel répété à l'ordre, le candidat ou la candidate peut se voir refuser le droit de parole. Les candidats peuvent réagir à une déclaration d'un autre candidat, je vous l'ai dit, lors du deuxième bloc du débat qui est réservé aux interactions. Et l'auditoire sur place à la maison peut poser des questions aux candidats en direct et par écrit. Et il y a tout à l'heure quelqu'un qui s'est promené pour vous distribuer des cartons. N'hésitez pas de remplir ces questions avec votre nom et votre lieu de résidence. On pourra, si le temps le permet, en inclure dans le débat. Ça serait vraiment formidable qu'on se rentre jusqu'à là. Et puis, les téléspectateurs vont utiliser via Internet. Je vous présente tout de suite les candidats. Ils ont été présentés, mais pour leur allocution d'ouverture, comme le prévoit le scénario, vous avez chacun 2 minutes pour nous parler de votre programme, de vos priorités. Vous pouvez revenir sur ce que vous avez fait, mais vous avez 2 minutes. Et on va commencer par le numéro 1, Mme Minassian. Merci beaucoup, M. Clavette. Merci tout le monde d'être là. Je vous dirais que la MRC du Rocher-Percé est en plein changement. De Port-Daniel avec la cimenterie jusqu'à Percé avec le Géoparc, en passant par Chandler qui est en train de se reconvertir comme ville de service, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière qui continuent à se diversifier dans le secteur des pêches, on a des opportunités sur la table qu'on va devoir saisir dans les prochaines années. Par contre, il y a aussi plusieurs dossiers importants qui vont devoir être travaillés pour être capables d'atteindre nos objectifs. Et je vais commencer avec celui du transport. On dit déjà de nous qu'on est une région éloignée, mais à chaque fois qu'on nous enlève un moyen de transport, on devient de plus en plus éloigné. C'est une chose d'être éloigné, c'est complètement un autre phénomène d'être isolé. Et si on veut continuer à prospérer, on doit être en mesure d'accéder rapidement aux grands centres et aux marchés. Si on veut attirer des gens et des jeunes familles chez nous, on doit avoir un milieu de vie agréable. On doit garder une place privilégiée à la culture et le loisir. On doit travailler avec les municipalités pour s'assurer d'avoir une offre sportive audacieuse qui répond à tous les âges. On doit maintenir, consolider et bonifier les services à la population, autant au niveau de l'accès au logement, jusqu'à toutes les associations et les organisations qui aident nos personnes les plus vulnérables sur le territoire. Et on doit garder un souci particulier pour nos entreprises locales qui sont une richesse en termes d'emploi sur notre territoire. Le prochain mandat serait très court, 18 mois. On n'a pas le temps d'avoir une courbe d'apprentissage. Le lendemain des élections, la personne élue doit être efficace en partant. 15 secondes. À la fin du débat, je suis convaincue de vous avoir démontré que le lendemain des élections, je vais être en mesure de rentrer à la MRC et de travailler les dossiers avec les équipes en place et de représenter les citoyens de Saint-Georges-Malbaie, Val-d'Espoir jusqu'à Port-Daniel-Ouest. Merci, bon débat. Merci, Mme Minassian. Exactement 2 minutes, 1 seconde. On vous en tiendra par rigueur. C'est très, très bien. Merci. Pour son allocution d'ouverture, j'inviterai Benoît Caouette à nous parler de ses projets, de ses priorités, de son programme lui aussi. Caillouette, M. Clavet. Caillouette, s'il vous plaît. On prend note, merci beaucoup. Merci. D'abord, je voudrais saluer les gens dans la salle, spectateurs à la maison et ceux et celles qui nous regardent par Internet. J'aimerais remercier le consortium et nos deux journaux communautaires ainsi que le journal Le Fou de Bassin pour l'organisation de ce débat et ainsi que mes adversaires d'avoir accepté de jouer le jeu ce soir. Vous aurez donc les 21 et 28 février prochains à choisir celui ou celle qui deviendra votre prochain préfet. Être préfet est une tâche stimulante, exigeante, et je peux vous assurer que simplement être candidat a de profonds impacts quand on doit démissionner de son poste de conseiller et de sa job pour être éligible. J'assume parfaitement les conséquences de ces gestes et je peux vous assurer que j'ai vécu au cours des derniers mois l'expérience humaine la plus intensive et enrichissante qui soit. Fondamentalement, c'est quoi un préfet? C'est un leader politique qui sera porté défendre les intérêts de notre région et de notre MRC avec passion et rigueur. C'est un leader politique qui connaît bien les enjeux de notre territoire et qui agit. Être inerte, disait De Gaulle, c'est être battu pour trouver et appliquer des solutions durables. C'est une personne qui sait travailler de manière non partisane, qui agit comme porte-parole de la MRC auprès des instances politiques et non pas comme porte-parole d'un parti politique, quel qu'il soit, dans notre MRC.
C'est enfin une personne qui est élue par la population, par vous, et qui conséquemment aura à lui rendre des comptes de l'état d'avancement des différents dossiers sur une base régulière. Il est ainsi imputable et transparent. J'espère avoir l'occasion ce soir, même si le temps est parti, est très court, et qu'il y aura forcément des dossiers que nous ne pourrons aborder comme nous le souhaitons, de vous démontrer que je suis la personne la plus apte à occuper cet emploi. Je vous remercie et bon débat. Merci beaucoup, M. Caguet. Merci beaucoup. Au tour maintenant de M. Maurice Englehart de prendre la parole. Merci beaucoup d'être là. Pour un mandat de 18 mois, c'est comme Nadia le disait tantôt, il va falloir que quelqu'un, dès le premier matin, qui soit capable de chausser les chaussures, puis la bonne grandeur des chaussures, puis d'être capable de faire la job, puis avoir tous les contacts voulus pour développer, puis aussi avec un plan. Parce que Mme Diane Leboutillier nous a laissé un plan stratégique que moi, je m'engage dès le premier jour à lire et le deuxième jour, convoquer mes confrères maires, se réunir et voir qu'est-ce qu'on fait et tout de suite, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Parce qu'il y a des, on peut pas faire un million de choses dans 18 mois. Vraiment, c'est les priorités. Il faut établir des priorités, s'établir un échéancier. Puis, exemple, des choses faciles. Orléans Express pour nos étudiants qui font à l'université ou au cégep de Rimouski. Il faudrait qu'Orléans Express ait un voyage le vendredi après-midi à 6 heures pour que, une fois que les études sont complétées le vendredi après-midi, que les gens de la Gaspésie puissent faire un tour chez leurs parents, chez leurs amis en Gaspésie, puis le dimanche après-midi, la même chose, retourner. C'est des choses simples comme ça, parce qu'un mandat de 18 mois, t'as pas le temps, de tourner en rond puis d'étudier. Exemple, l'aéroport, là, des études, là, moi, j'ai été préfet, il y en avait déjà deux. Je suppose qu'aujourd'hui, il y en a trois. Avec ces études-là, il va falloir lire les études, puis dire, regarde, l'aéroport, c'est une priorité dans le sens du développement économique. Il n'y a rien à faire pour se développer si on n'a pas un aéroport capable d'accueillir des gros porteurs ou des moyens porteurs. Parce que, exemple, l'industrie touristique avec le géoparc, si Percé doit devenir la destination touristique au Québec, comme elle devrait l'être, exemple, au même niveau qu'à Niagara Falls, il faut avoir un aéroport capable de faire atterrir des moyens porteurs comme la Cirée C Bombardier. C'est des choses comme ça. 15 secondes. Voilà, 15 secondes, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Englehart. Maintenant, à son tour d'intervenir, Rénald Blais. Rénald, M. Blais. Allez. Bonsoir tout le monde. J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre-débat entre les candidats à la préfecture. Je salue chacun et chacune des candidats dans cette course qui a pris l'allure d'un marathon échelonné sur plusieurs semaines de pré-campagne. Bravo et félicitations. Fait particulier à souligner, nous sommes tous partisans d'un meilleur avenir pour notre territoire. Seules nos personnalités nous distinguent et nous sommes bien conscients que nos parcours et nos expériences de vie sont différents. Mais à l'unisson, nous offrons nos services. Pourquoi je me présente? Bien humblement, je pense que nous avons besoin d'un préfet qui pourra très rapidement embarquer dans le train qui est en marche. Il faudra être prêt dès le 29 février à livrer la marchandise. Les gens qui m'appuient m'ont signifié que j'étais la personne toute désignée pour combler le poste pendant les 20 prochains mois. Ma personnalité, mon vécu et mes expériences, notamment en politique active, me permettent d'affirmer que je connais ça. Je connais les tenants et aboutissants du monde politique. Je connais les rouages et les façons de composer avec les pouvoirs politiques et administratifs. Comme journaliste, comme syndicaliste, et comme député, j'ai eu à vivre des situations qui m'ont appris comment composer avec des dossiers d'un préfet. Aussi, je suis très disponible, car le poste convoité est un poste à temps plein, de jour comme de soir et les fins de semaine également. Je n'ai pas la prétention, cependant, de tout connaître, mais je sais écouter, prendre conseil et travailler en équipe. Je sais surtout qu'ensemble, nous pourrons être gagnants. Merci. Merci beaucoup. Je cède la parole maintenant à Mme Suzanne Bourget. Bonsoir, merci d'être ici et merci aux deux télévisions communautaires et au Fou de Bassan pour cette opportunité. Ce soir, je tiens à vous dire comment je me sens. Je me sens comme lorsque je suis allée faire la saucette au mois de décembre à Percé. Alors, à quelques pieds de l'eau froide, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai sauté parce que c'était une noble cause. Alors, ce soir, je suis ici pour vous dire que pour la MRC, c'est aussi une merveilleuse cause. Et oui, je saute.
Quand je pense à notre MRC, je visualise ma main. Cinq villes extraordinaires, cinq villes uniques avec des possibilités extraordinaires de développement, mais avec aussi des difficultés, des problèmes et vraiment des besoins de concertation. Et au centre, une MRC qui rassemble pour qu'on soit plus fort. Ce soir, mon objectif, c'est de pouvoir vous dire qui je suis et comment je peux servir ma communauté. Je suis très fière de la brochette de candidats. Tout le monde m'a dit « 6, c'est beaucoup ». Oui, mais la MRC est intéressante et elle nous stimule. Donc, parmi cette brochette de candidats, je veux vous dire ceci et je reprends mon autre main. Suzanne, elle est à 58 ans, elle est assez jeune pour être énergique, déterminée et livrer la marchandise comme elle l'a fait dans toute sa carrière. Elle est aussi assez vieille pour être expérimentée, mature, avoir subi des revers dans sa carrière, des échecs, mais beaucoup de succès. Je suis une personne neuve en politique. J'ai une distance avec les maires, les communautés, mais c'est une bonne distance. Je n'ai aucun conflit et aucune partisanerie. Je veux vous dire aussi que je suis une généraliste, mais une femme qui s'entoure de compétences et une femme qui a une expérience aguerrie en gestion. Finalement, j'ai du temps pour vous servir. Merci. J'ai brisé sur vos secondes. Alors voilà qui clôt ces allocutions d'ouverture. Et puis, on a fait quelques références à un document dont vous allez entendre parler souvent en soirée. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, mais je le vois à côté. C'est le plan stratégique intitulé « Sur la route du rocher percé », un document qui indique la planification stratégique 2014-2019 pour la MRC. Donc, on va y référer. C'est un document qui est accessible à tout moment. Vous avez oublié, M. Berger. M. Berger, bien, j'y viens. Je voulais juste dire que c'est un truc qu'on entend souvent. M. Berger, avec toutes mes excuses, je vous cède la parole et vous avez 2 secondes de plus. Bonsoir à vous tous. Merci de votre présence. Je félicite les candidats de TV communautaire. Moi, ce que je veux, que la population bénéficie de mes 30 années d'expérience en politique, mes 35 années en infrastructure. C'est sûr que notre MRC, présentement, est la plus vitalisée. C'est une population la plus vieillissante dans l'Est du Québec. Les thèmes que je vais établir, c'est nos personnes âgées, quoi faire avec nos personnes âgées. Quand on parle du tourisme, M. Anglard parlait aussi de transport. C'est sûr qu'un transport, ça prend un aéroport régional majeur de 8 000 pieds avec des espaces libérés de chaque bout de 800 mètres. Aussi, tabler aussi sur l'industrie des pêches, l'industrie touristique et aussi tabler sur notre économie qui est les pêches qui est beaucoup saisonnier. Puis quand que je parlais de personnes âgées, je parlais du projet SEGA qui vient en aide aux personnes âgées parce qu'on veut garder nos personnes âgées le plus longtemps possible à leur résidence. C'est sûr qu'avec un transport moyennant des services d'ergo-physio, médecin, infirmière qui va aider beaucoup. Et aussi revenir, quand on parle de ciment, Magani, c'est une entreprise, c'est un moteur économique, mais ce n'est pas le sauveur de la MRC du rocher percé. Il va falloir développer autour de ciment Magani pour pouvoir arrêter. On dit souvent que nous avons des travailleurs saisonniers. Alors, c'est de trouver des emplois permanents à partir de ciment Magani, puis notre industrie de la pêche aussi, et de développer notre tourisme, et que notre tourisme ne soit pas seulement basé sur le Québec, qui déborde du Québec en Amérique et en Europe. C'est avec un aéroport qui répond aux besoins, comme qui disait, de la Cécirine, comme WestJet et Air Transat, qui pour revenir... 10 secondes. Pour revenir aussi, que ce soit du cargo et de la polyvalence. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Berger. Alors, on vient de passer, sans trop d'épreuves, cette première portion. On va entamer tout de suite le premier bloc de questions aux candidats. Et chacun et chacune des candidates aura 45 secondes pour répondre. Et chacun ira à tour de rôle, sans droit de réplique pour le moment. Alors, première question, ça va porter sur le tourisme et l'économie. Et donc, comme l'a convenu le tirage au sort, on commence avec Mme Minassian. À l'occasion des célébrations qui entourent le centenaire en 2016 de la ville de Chandler. Quel rôle, selon vous, devrait jouer la MRC dans la promotion et l'appui financier
qui seraient consentis à cet important événement pour notre région. Allez-y. On parle d'un événement au sein de, parmi tant d'autres là, dans la MRC. Je vous dirais qu'on a déjà l'Office du tourisme du Rocher-Percé, qui est une organisation qui supporte le tourisme de la MRC à la grandeur, qui est déjà appuyée par la MRC financièrement. Cette organisation fait la promotion... Mon Dieu, c'est tué le micro, OK, pardon. Cette organisation fait la promotion du tourisme sur la grandeur de la MRC. Je vous dirais que on a hâte au centenaire de Chandler. Par contre, c'est un événement dans une offre touristique de toute la MRC. Alors, pour moi, le tourisme de la MRC du Rocher-Percé, ça doit devenir un circuit de Port-Daniel jusqu'à Percé. Je vous dirais qu'on a le centre-ville de Percé qui offre une certaine offre touristique, mais on pourrait attirer et garder nos clients plus longtemps si on pouvait avoir un circuit touristique qui engloberait toute la MRC. Merci beaucoup, Mme Minassia. La même question qu'on va poser à tour de rôle. M. Caillouet, vous avez compris, on ne répétera pas la question. Autour du centenaire de la ville de Chandler, qu'est-ce que vous proposez que la MRC fasse dans la promotion et l'appui financier de cet événement? Toujours un peu difficile de parler d'un cas spécifique quand une MRC a un rôle fondamental à jouer dans le développement touristique sur l'ensemble du territoire. Je ne vais pas répéter ce que Nadia vient de mentionner. Cependant, la MRC, pour le centième de Chandler, c'est quand même la capitale démographique, si on veut, et de service de la MRC Rocher-Percé. Je pense que la MRC doit supporter autant que possible pour faciliter le rayonnement de cet événement-là. 100 ans, c'est pas rien pour notre capitale démographique et de service de la région. Il y a des employés, il y a des ressources possibles disponibles à la MRC Rocher-Percé pour accompagner des initiatives que la ville de Chandler pourrait initier dans le cadre de ce centième-là. Nadia a parlé de l'Office, j'ai pas l'intention de revenir sur ce qu'elle a mentionné. L'Office du tourisme a un rôle fondamental à jouer que la ville de Chandler supporte à différents niveaux. Et j'espère que ce sera un événement que tous pourra être fiers, parce qu'au-delà de Chandler, chez chacune des communautés qu'on doit fêter dans le cadre de des anniversaires de ce genre-là, et je souhaite que la MRC puisse le faire. Et le préfet sera présent, je peux vous l'assurer. J'y serai au moment du centième. Merci beaucoup, M. Caillouet. Maintenant, même question toujours. Maintenant, à la seule personne qui n'est pas de Chandler, je pense, au débat mais, ce soir. Mais peut-être la personne la plus expérimentée dans ce domaine-là, parce que j'ai été le président de l'organisation. J'ai pas parti de chrono, allez-y. Oui, moi, j'y vais. Moi, alors, les expériences passées comme maire de Lens-aux-Gascons, nous avons fêté notre centième anniversaire en 1998 et j'ai été le président organisateur des festivités. Donc, je vais mettre mon expérience au service de Chandler, parce que la question est à propos de Chandler, là, c'est pas la MRC. Là, on parle du centième anniversaire de Chandler. Donc, c'est un événement majeur pour la MRC. Donc, un de mes amis qui vient d'être nommé ministre régional, c'est mon ami Sébastien Proulx, là, il était dans les fondateurs de l'ADQ avec moi en 1994. Donc, le premier matin, je vais lui donner un coup de téléphone, sinon je vais monter à Québec pour voir qu'est-ce que le gouvernement provincial peut donner à Chandler pour son centième. Puis c'est comme ça la vie, c'est les contacts que tu as. Voilà. Merci beaucoup, M. Engluart. On enchaîne avec Rénal Blais sur la même question, le centenaire de la ville de Chandler. Bien, tout d'abord, je vous dirais que sans être préfet, je me suis déjà impliqué dans le dossier du centième. Pour le savoir, ce dossier-là, je pense, s'inscrit dans une stratégie d'ensemble pour la promotion de toute la MRC. De fait, un centenaire comme un bicentenaire, 150 ans, 75 ans d'histoire, je pense que ça se fait en grand. Et c'est ce que Chandler va faire au cours des prochains mois. Ça va s'échelonner, oui, on parle du 22 au 31 juillet, mais il y a d'autres événements qui vont s'inscrire là-dedans. Je pense que la MRC a un rôle finalement, de s'assurer que le travail de promotion se fasse et avant et après les événements. On va profiter du 22 au 31, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être à Chandler à ce moment-là, mais il va falloir vendre davantage notre MRC au total et faire en sorte que ce soit un succès pour le centième de Chandler. Merci. Merci beaucoup, M. Blais. C'est au tour maintenant de Mme Bourget d'intervenir sur le même sujet. Alors, à ce sujet, il y a effectivement des organismes bien mandatés, l'Office du tourisme, il y a un comité là, qui travaille d'arrache-pied à organiser la fête, et bien sûr que la MRC, la préfecture, sera de l'organisation et soutiendra.
Ce que je trouve intéressant dans le centième de Chandler, c'est une belle occasion de fêter. Puis on a le sens de la fête, les Gaspésiens. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques jours, Val d'Espoir nous donnait un bel exemple comment on peut fêter en plein hiver à 5h30 le matin. Donc, c'est des moments forts de rassemblement. Donc, pour ce qui est du centième de Chandler, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on rejoint des gens qui ont quitté, pour qui viennent célébrer, et même pour ceux qui ne pourront venir célébrer, ils sauront qu'il y a une fête. Donc, c'est rassembleur. Et ça rejoint un de mes éléments de mon programme, de rejoindre les gens qui sont originaires d'ici pour qu'ils continuent de savoir qu'est-ce qui se passe, pour avoir le goût de s'impliquer puis d'en parler ailleurs. Merci beaucoup, Mme Bourget. Maintenant, c'est au tour de M. Berger, que je n'oublierai pas cette fois. M. Berger, à vous la parole. Merci. La ville de Chandler a passé par plusieurs étapes. C'est sûr que c'était une ville mono-industrielle qui est devenue maintenant une ville de service. C'est sûr qu'avec une ville de service, avec le centième, la ville de Chandler va se faire connaître à travers le Québec. Parmi les gens qui vont accompagner les anciens qui ont quitté Chandler. Puis la MRC doit s'impliquer aussi pour le centième de la ville de Chandler. Et aussi, le tourisme devrait être un petit peu plus fort, beaucoup plus d'achalandage à Chandler dans cette période-là du centième. Et aussi, à le sentier de les bâtisseurs, va avoir la forêt éclairée probablement qui va être prête. Alors, c'est un atout de plus pour Chandler de faire et de développer les services dans le futur aussi à Chandler. Merci beaucoup, M. Berger. On enchaîne tout de suite avec une deuxième question sur le développement social cette fois-ci. Dans le document dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le plan stratégique. Eh bien, on n'a aucune mention dans ce plan stratégique pour 2014 ou 2019, jusqu'à 2019. Les mots « jeunes », les mots « jeunesse » et même « éducation » n'apparaissent nulle part. Alors, depuis de nombreuses années, vous savez, nos jeunes quittent la région pour tenter de trouver du travail, enfin, pour améliorer leur sort. Quelle stratégie vous proposez pour appuyer les projets jeunesse? Madame Minassian. C'est toujours moi qui vais commencer. On peut intervertir. Voulez-vous qu'on intervienne? Oui. On va intervertir, oui, M. Berger. On va commencer, M. Berger. On vous demande de réagir à cette stratégie jeunesse. Absente, semble-t-il, du document, mais j'aimerais vous entendre et les gens aimeraient vous entendre là-dessus sur qu'est-ce qu'on doit faire pour, qu'est-ce que vous proposez pour appuyer les projets jeunesse en général. C'est sûr que depuis les dernières années, il y a beaucoup d'exodes, il y a beaucoup de nos jeunes qui sont à l'extérieur, ils partent pour les études de cégep, université, puis ça ne revient plus en région. C'est avec le développement qu'on va pouvoir attirer nos jeunes ici. Et aussi, garder aussi l'école des pêches, le cégep de Grande-Rivière ouvert avec l'aquaculture, se spécialiser dans certains domaines pour attirer nos jeunes. Parce que c'est sûr que nos jeunes maintenant qui sont à l'extérieur, ils ont certaines spécialités. Qu'est-ce qu'il y a présentement? Il n'y a seulement que la santé qui attire les jeunes ici. Il y a le centre du revenu. Il y a l'agence du revenu, mais à part que l'agence du revenu, il y a le tourisme, et le tourisme, il va falloir le développer pour attirer nos jeunes ici, parce qu'il y a des jeunes qui sont diplômés dans le tourisme aussi. Merci, M. Berger. Mme Bourget. Ceci me touche beaucoup, puis ça rejoint le premier point de ma planification à titre de candidate, celui du développement du savoir. Et je dis clairement dans mon programme que la première richesse de la MRC, c'est notre savoir, c'est notre cerveau. Et d'où l'importance à accorder à la formation, à l'éducation, en commençant dans nos CPE, dans nos petites écoles de village, dans nos deux polyvalentes et à l'EPAC et à d'autres endroits moins traditionnels où ils se donnent de la formation. Je donne l'exemple de quelque chose que j'ai découvert, que je trouve formidable, la maison de la famille, où on donne de la formation sur comment cuisiner, comment budgéter, l'alphabétisation, comment développer l'estime de soi, chez des jeunes qui n'ont pas trouvé dans le parcours scolaire traditionnel une façon et un lieu pour se développer et être bien. Merci beaucoup, Mme Bourget. C'est tout le temps que nous avons. Que c'est court! De revenir, c'est court, mais il y a quand même beaucoup de questions. Donc, okay. Il y a certains de ces dossiers-là qui vont revenir. On pourra les aborder. Maintenant, au tour de M. Blais de nous partager sa vision. Alors, merci. En essayant, à la limite, de dire autre chose que ce que mes collègues ont déjà dit, qui est fort intéressant, je vous dirais que les composantes d'une MRC, c'est oui, on parle d'économie, on parle de social, on parle de différents dossiers, mais lorsqu'on parle de la ressource humaine, c'est
à la limite, le plus important dans tout ça. Et lorsqu'on parle de ressources humaines, on parle, oui, des jeunes. Le fait qu'on veut que les jeunes reviennent dans la région, et il y a une réalité qui nous rattrape, il n'y a pas d'université dans la région. Oui, il y a un cégep, puis il faut continuer à travailler pour le conserver. Et il faut faire en sorte qu'il y ait également des gens qui puissent venir dans la région. Cette nouvelle jeunesse, avec les nouveaux emplois qui sont offerts actuellement parce que beaucoup de gens sont partis à la retraite. Mais je pense qu'essentiellement, il faut rencontrer ces gens-là, les écouter davantage et s'en préoccuper davantage. Merci beaucoup, M. Blais. Autour de M. Anglehart, maintenant sur le même sujet. La meilleure façon de voir au développement économique, que ce soit dans la MRC ou partout sur la planète Terre, c'est d'instruire sa population. Puis ça, ben, il faut dès le départ, exemple, l'entrepreneurship. Parce qu'il manque d'entrepreneurship. Si notre population est plus ou moins pas entrepreneuriale, il faudrait voir ça dès le secondaire 1, 2, les cours d'entrepreneurship. Puis aussi, motiver les gens à la formation professionnelle, parce qu'on n'a pas seulement besoin des avocats, des médecins, on a besoin des plombiers, des menuisiers, ces choses-là. Puis, voir vraiment à motiver les gens à demeurer aux études. Alors, c'est un point de vue là, que vous avez exprimé. On va passer maintenant à M. Cadouet. Sur le même sujet, vous avez vos... Mais je suis un peu en désaccord avec votre prémisse de départ, M. Clavin, parce que de dire qu'il n'y a rien au niveau de la stratégie jeunesse, peut-être pas rédigé en bonne et due forme dans la planification de la MRC, mais je vous assure qu'il y a un paquet de choses qui se fait à l'heure actuelle. Et le premier enjeu, c'est peut-être de le faire connaître, d'ailleurs, puisque ça semble ignoré. Comment dire qu'il n'y a rien quand on a des plateaux de travail qui favorisent la réinsertion des jeunes au travail, portés par, ayant comme partenaire Emploi Québec, la commission scolaire, le Carrefour Jeunesse Emploi? Comment dire qu'il n'y a rien qui se fait quand on a bâti ma région qui favorise la relève entrepreneurship chez nos jeunes? Comment dire qu'il n'y a rien quand on intervient dans nos écoles primaires et secondaires du territoire avec les petits cuistots et ados cuistots? Car oui, ça commence jeune, les bonnes habitudes de vie qui favorisent ensuite la persévérance scolaire et la formation. Comment dire qu'il n'y a rien quand on supporte les services de garde qui viennent en aide directement à nos jeunes familles sur l'ensemble du territoire de Val-d'Espoir à Port-Daniel? Comment dire qu'il n'y a rien quand on supporte des joujoutecs sur l'ensemble de notre territoire qui favorisent des jeunes qui vont utiliser les jeux? Il y a plein de choses qui se font. L'enjeu, je peux peut-être en convenir, c'est que c'est peut-être pas suffisamment connu, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de partenaires qui contribuent aux enjeux que vous venez d'identifier. Merci beaucoup, M. Cailouet. Autour de Mme Lunassian. Moi, je vous dirais que jusqu'à date, dans les réponses, on parle beaucoup d'éducation, de réinsertion, mais à la base, les jeunes, pour les avoir consultés, je vous dirais qu'ils trouvent que dans la MRC, il manque de lieux de rencontre, il manque d'activités, il manque une vision qui répond à ce qu'ils veulent avoir comme MRC. Je vous dirais que la culture, le loisir, on doit s'assurer de donner beaucoup de place à la culture et au loisir. Dans mon programme, je l'ai écrit, il faut qu'on ait une offre sportive audacieuse. On doit toujours mettre l'emphase sur nos infrastructures sportives, de s'assurer qu'ils aient une offre qui répond à tous les âges, mais surtout aux jeunes, parce que le sport, ça évite le décrochage scolaire, ça rend les jeunes plus en santé, ça les stimule et ça aide les relations entre pairs. Et surtout, on doit s'assurer d'avoir des activités et des lieux de rencontre où ce que les jeunes sont en mesure d'aller échanger entre eux autres et dans un environnement sécuritaire. Merci beaucoup, Mme Lunassian. Donc, troisième question. Vous comprendrez que les questions que je pose ne sont pas nécessairement attribuables à une philosophie. J'essaie de les poser et je pense qu'on aura des occasions précisées. Ça me permet d'amener le troisième point, économie et démocratie citoyenne. Quand il est question de financer des arénas, des centres communautaires, des centres culturels, que ce soit des services incendie ou de sécurité publique, comme préfet, comme préfète, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour garantir aux contribuables, pour garantir aux gens qui payent pour ces services que leur argent est bien utilisé et qu'il n'y a pas de gaspillage et de dédoublement? Alors, je n'ai pas une formule magique que je demande, mais qu'est-ce que vous allez faire pour garantir à ces gens qu'il n'y a pas de gaspillage et de dédoublement? Qui veut commencer? Je peux commencer. Allez-y, M. Ayant été maire pendant 16 ans, les maires en général, peut-être à 96-97%, si ce n'est pas 100%, sont des gens capables de l'être, puis des gens consciencieux,
puis des gens de rigueur. Puis c'est sûr qu'il y en a toujours des mal-parlants qui vont essayer de salir un maire parce que dans sa tête, dans 2 ans, 3 ans, il veut se présenter maire. Mais en général, les maires que vous avez en place sont des gens compétents. Ils peuvent faire des erreurs, mais vous êtes là, exemple, pour leur donner des conseils. Vous n'êtes pas là, les conseillers, conseillères, pour vous battre avec les maires. Et le préfet, lui, comme moi, je m'engage comme préfet à être le leader des maires, un leader dans l'action. Puis moi, je suis capable de donner des conseils, puis des conseils rigoureux, des conseils pertinents, puis avec un professionnalisme écœurant. Merci beaucoup. C'était écœurant de précision. Là, on est à 47 secondes. C'est très, très bien. On enchaîne avec M. Caillouet. Ah oui? C'est bon. Je pense pas que la gestion des finances publiques à l'heure actuelle des municipalités dans un contexte difficile, je n'apprendrai rien à personne en disant que les municipalités essentiellement gèrent la décroissance, due notamment à la perte démographique de nos milieux. Il y a une opportunité qui va se présenter à nous sous peu, on souhaite dans le prochain budget fédéral. L'actuel gouvernement, bonne nouvelle, nous promet 12,5 milliards pour les 10 prochaines années en infrastructure. Alors, ça veut dire que comme responsabilité, comme milieu, et ce n'est pas la seule responsabilité du préfet, ce sera à nous tous, à vous tous, de contribuer à ça, d'identifier les besoins concrets dont nos jeunes et moins jeunes auront besoin au cours des prochaines années. Et je pense qu'on aura le capital gris et intelligent pour identifier ces enjeux-là. Je parlais récemment à M. Jasmino, de la polyvalente de Chandler, qui a des projets de soccer intérieur, de bâtiments qui pourraient être multifonctionnels, répondre à des besoins précis. On a là, avec le prochain budget fédéral, souhaitons-le, croisons-nous les doigts, une opportunité dont il faudra profiter. Je pense qu'on a tout intérêt à le faire et je pense qu'on le fera de façon concise et efficace. Et je terminerai en disant, il y aura aussi des enjeux peut-être de regrouper des infrastructures, de jumeler des activités, de faire des efforts davantage au niveau des municipalités pour regrouper des services et des bâtiments qui autrement ne sont pas utilisés comme ils pourraient l'être. Merci beaucoup, M. Caillouet. On va donner la parole à M. Blais. Merci. Je vous dirais qu'il y a deux éléments en particulier dont on doit tenir compte, je pense, c'est la rigueur. Parce que cette rigueur-là va faire en sorte qu'on va pouvoir nous empêcher de se retrouver dans des situations qui pourraient être désolantes. Le professionnalisme aussi. On a des gens dans chacune des municipalités à la MRC, on a des équipes de travail qui sont là et qui ont un certain travail à faire. Et à partir du moment que le dossier est bien présenté, présenté avec rigueur, professionnalisme, je pense qu'il y a des chances de succès avec tout ça. Sans oublier, évidemment, la participation citoyenne, parce que si on fait ça en vase clos, mais malheureusement, on va se retrouver gros gens comme devant, des fois avec des décisions qui vont être soit impopulaires, mais surtout qui vont être difficiles à être mises en application. Ne serait-ce, exemple, que la gestion des matières résiduelles, par exemple, par rapport à la MRC. Et ce sont des dossiers sur lesquels on peut travailler, mais je pense que déjà, il y a des éléments à considérer. Puis c'est vrai qu'on n'est pas dans l'abondance, au contraire. Et on gère un peu, pas mal, la décroissance, sauf peut-être à Port-Daniel. Merci beaucoup, M. Blais. Mme Bourget. Je disais lors d'une présence à un conseil de ville, je pense que c'est percé, que j'avais eu comme un karma celui de gérer la décroissance, les compressions budgétaires pendant 25 ans au gouvernement. Malgré ça, je dois vous dire qu'il y a des clés, hein, la rigueur que nommait M. Blais, effectivement, puis il y a un cadre réglementaire, on ne fait pas n'importe comment. Donc, il y a un cadre réglementaire, on a des obligations, la rigueur, utiliser les compétences. Et une fois qu'on a fait ça, c'est de rendre compte à la population puis prendre le temps d'expliquer. C'est ce que j'appelle la transparence. Mais la vie m'a appris, 25 ans de gestion budgétaire, m'a appris que malgré tout, il y a des opportunités de développement. Il faut toujours rester présent puis allumé aux opportunités qui se présentent. Merci beaucoup, Mme Bourget. Et M. Berger, maintenant, sur le J'ai l'impression que j'ai moins de secondes. Un préfet n'a pas à s'immiscer dans l'administration municipale. Chaque municipalité a leur propre administration, c'est toujours qui gère leur budget. Puis la MRC vit de code-part et de subventions. Quand vous avez parlé de services incendie tout à l'heure, la Gaspésie, c'est sûr que dans notre MRC, il y a un schéma de couverture de risque. Il faut avoir le strict minimum. Mais il va falloir passer au développement. Comme la ville de Chandler, qui est une ville de services, a beaucoup de bâtiments. Il va falloir y faire équiper parce que tout le monde ici, qui fait un moins 30 degrés comme les nuits passées, puis qu'il y a un bâtiment qui brûle, puis qui est en hauteur, on n'a pas les équipements adéquats pour aller éteindre le feu qui
peux toucher plusieurs personnes. Ça, c'est des dossiers à déterminer et à discuter avec les maires en place pour améliorer aussi certains projets. C'est sûr que l'argent, comme monsieur mentionnait, M. Caillouette tout à l'heure, pour les infrastructures, ils veulent que le fédéral injecte 50% et diminuer la quote-part de les municipalités et des villes, parce que pas toutes les municipalités et les villes qui peuvent injecter de l'argent pour les infrastructures. Merci. Parce que passer 14% d'endettement, la lumière rouge allume. Merci beaucoup. La lumière rouge vient de s'allumer également ici. nous allons enchaîner cette fois avec un sujet qui concerne les ressources. Moi, je n'ai pas répondu, M. Clavette. Excusez-moi, Nadia. Allez-y. Excusez-moi. Je suis la seule candidate qui est issue du monde des affaires. Je vous dirais que quand je travaille toujours dans une optique d'efficacité économique. C'est vrai que parfois, il y a des dédoublements de services sur le territoire, des dédoublements d'infrastructures. Par contre, on a toujours moyen de voir ça comme des opportunités pour être capable de changer les vocations, pour être capable de trouver des nouvelles façons de faire. Et on ne doit jamais plus fermer d'infrastructures, on ne doit jamais plus éliminer ces doublons-là, on doit plutôt trouver des nouvelles façons de les opérer et penser à l'extérieur de la boîte. Merci beaucoup. On va passer maintenant à une autre question, et ça concerne le secteur des pêches et l'agroalimentaire. Vous savez que notre MRC peut compter sur des entreprises dynamiques, performantes, qui appuient, qui ajoutent au développement économique de la région. Quelle est votre vision, vous, comme candidat, candidate, à ce secteur important, ce pôle de développement que représente le secteur des pêches? Avez-vous réfléchi à ça? Oui. Et on veut savoir un peu quel est votre point de vue. Qui va commencer cette fois-ci? Puis rappelez-moi, si j'en oublie un, ça peut arriver. Maman avait 17 enfants, puis parfois elle en oubliait un, mais oui, il se faisait entendre. Alors, c'est ce que vous faites. Madame Minassian? Moi, je vais vous dire, le secteur des pêches, ça génère le plus d'emplois dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, c'est un secteur qu'on ne peut pas négliger. L'importance dans le secteur des pêches, c'est de reconnaître le caractère saisonnier de l'industrie. La journée qu'on va être en mesure de reconnaître le caractère saisonnier de l'industrie, on va voir une atténuation dans les problèmes de main-d'œuvre et on va pouvoir aller chercher les aides gouvernementaux pour supporter nos usines. Merci beaucoup. Qui veut enchaîner, monsieur? Allez-y. Oui, bien, pour ceux qui voudraient prendre une réponse un peu plus longue que 45 secondes qui m'est allouée, vous irez sur mon Facebook. J'ai fait un petit vidéoclip strictement sur ce sujet-là. Deux enjeux importants en pêche, il y en a plusieurs, là, puis on est un peu pressé par le temps. Deux enjeux, l'éco-certification, qui est en cours à l'actuel sur différentes espèces, ça demeure un enjeu important. Ça permet d'ouvrir des marchés, ça permet aux grossistes, aux épiceries ou autres, qui sont de plus en plus exigeants à ce niveau-là, d'accepter ces produits-là. On est condamné, pour le meilleur, selon moi, à poursuivre nos efforts là-dedans. Et il y a le retour du poisson de fond, notamment à Sébastien et la morue dont j'ai parlé. Je me suis informé, je pense pas, je parle à travers mon chapeau en disant, dans un horizon de 3 à 5 ans, il faudrait être prêt pour recommencer à pêcher tranquillement ces deux espèces-là. Au niveau de la transformation et la façon de le prendre, il faut de le capturer, d'aller saisir ces poissons-là, il faudra être prêt. À l'heure actuelle, on ne l'est pas tout à fait à ce qu'on m'a dit, ce que des gens beaucoup plus connaissants que moi m'ont mentionné. Et il faudra poursuivre nos efforts. Je pense que politiquement, il y aura du pushing à faire. Nos industriels, nos scientifiques et nos pêcheurs commencent à parler du poisson de fond un peu partout en Gaspésie. Je pense que dans l'horizon, on pourra commencer à prolonger les saisons de pêche, à faire travailler davantage de gens, à faire davantage de profits. Merci. Je serai un préfet qui accompagnera ces différentes démarches-là. Merci beaucoup. Qui veut enchaîner? Allez-y. Premièrement, féliciter les pêcheurs d'eau morte pour leur prise en main à travers le temps, mm-hmm, avec les dimensions des eaux mortes. Vraiment, ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a moins de permis puis que l'industrie va extrêmement bien par rapport à d'autres industries. Moi, j'aimerais voir les pêcheurs de crabes. Peut-être que je vais en choquer, là, mais moi, je parle pour moi. J'aimerais voir 100% des pêcheurs de crabes pêcher leurs ressources et la vendre en Gaspésie pour créer des emplois en Gaspésie. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant de ça. On a des pêcheurs de crabes de chez nous, de chez vous, qui vendent leurs crabes au Nouveau-Brunswick, aux îles de la Madeleine et même à l'île du Prince-Édouard. Ça fait que, s'il vous plaît, passez-leur leur message que si collectivement on veut faire mieux dans la pêche, il faudrait commencer par se servir soi-même. Il faudrait s'entraider, c'est ça. Merci beaucoup, M. Anglert. On aura l'occasion de revenir sur d'autres aspects de cette ressource. M. Blais. Lorsqu'il est question de pêche, il faut savoir aussi que
assez bizarre, mais lorsque le poisson ou le homard est en dessous de l'eau, il est fédéral. Puis aussitôt qu'il sort, imaginez-vous, il devient provincial. Et ça fait en sorte qu'il faut travailler là-dessus à ces deux niveaux-là. Et ça rend complexe la chose. Mais en même temps, j'oserais dire que par rapport aux pêches ou par rapport à l'agroalimentaire, je vais m'inspirer d'événements qui sont arrivés ailleurs, notamment dans le secteur forestier à Sacré-Cœur. C'est une municipalité que j'ai appris à connaître il y a quelques années et qui avait beaucoup de difficultés par rapport à une usine de siège qui faisait faillite par-dessus faillite. Et les gens se sont pris en main, mais surtout à cause d'un élément. Ils ont pensé deuxième, troisième transformation, ils ont regroupé les forces. Puis aujourd'hui, l'entreprise qui faisait faillite, on parle de maintenant de retombées de 100 millions de dollars. On peut s'inspirer d'événements comme ceux-là, je pense, pour faire en sorte d'aller davantage par rapport au potentiel que nous avons dans les pêches et dans l'agroalimentaire. Merci, M. Blais, Mme Bourget. Alors, je trouve que effectivement, le domaine des pêches est un domaine créateur d'emplois incroyable et qui s'est sous-estimé et sous-valorisé dans notre MRC. Donc, il faudrait peut-être en faire davantage la promotion ici dans la MRC, tout en le faisant à l'extérieur, comme on le fait si bien en Europe ou ailleurs. Donc, revaloriser les métiers, les industriels qui le portent. Et je prends l'exemple du comité là, qui voit aux retombées de la cimenterie à Port-Daniel. Je trouve que c'est un excellent exemple et on pourrait en faire un similaire dans la région, dans la Pointe-Est, pour maximiser les retombées de la pêche. Je voudrais dire aussi qu'avec une augmentation de la main-d'œuvre, on pourrait sortir du carcan des emplois saisonniers. Et je voudrais faire le lien avec l'École des pêches, qui est un lieu de savoir extraordinaire, qui est associé avec Mirinov et d'autres partenaires en recherche, permettent à l'industrie des pêches d'être florissante. Il ne faut jamais oublier ça. Merci beaucoup, Mme Bourget. M. Berger. C'est sûr que l'industrie des pêches, je n'invente rien. Là. Premièrement, là, quand on parle de pêcheurs d'eau morte, comme M. Anglard parlait, ça nous prend des quais potables. C'est sûr que dans nos quais industriels, il y a des quais sont potables. Puis aussi, nous avons un joyau à Newport, l'écloserie, l'élevage de pétanque, la seule au Québec présentement. Alors, c'est d'y prendre soin puis de s'assurer que tous les services à l'écloserie de Newport voient le jour parce qu'il manque encore un paquet de choses à l'écloserie. Ils veulent se développer pour avoir un deuxième puis un troisième transformation, un troisième élevage. Alors, à partir de là, avec des quais potables, l'écloserie, puis exporter nos produits de la pêche et aussi essayer aussi essayer de voir à ce que nos produits soient pas seulement exportés dans un seul pays, parce que ce qu'on voit ici, c'est seulement que les Japonais. Tu as les Européens, tu as tous les pays de l'Europe avec un aéroport adéquat pour ça qu'on pourrait transférer, transférer nos produits. Merci beaucoup. On arrive à la dernière question de ce bloc. Merci de votre patience. On sait que c'est quand même peu de temps pour beaucoup de sujets aussi élaborés, mais on va faire de notre mieux. Donc, dernière question concernant la politique. Alors là, je pense que ça peut encore intéresser davantage les gens. Sur le plan provincial, notre MRC compte deux députés, les deux siègent dans l'opposition. Sur le plan fédéral, nous avons désormais une ministre. Et comme futur préfet ou préfète, comment voyez-vous votre rôle en termes de représentation auprès des élus? Compte tenu de nos propres allégeances, de nos propres croyances, comment allez-vous faire le travail de préfet, dans un contexte politique? Qui veut intervenir? Comme d'habitude. Alors, allez-y. Je vais faire mon travail comme d'habitude parce que je suis habitué. J'étais souvent dans l'opposition parce que je me présentais comme pour l'ADQ. Les gouvernements n'étaient pas de mon bord. Puis pourtant, j'ai été chercher une multitude de subventions. Autant pour le parc commémoratif d'une affaire du Colborne qui est devenu un trésor caché de la Gaspésie. Ça l'a été dans les années 95 quand M. Parizeau était au pouvoir puis j'étais loin d'être un péquiste. Il s'agit tout simplement d'être un peu comme Gérard Deslévesque, indépendamment de la couleur politique. Ce sont tes amis, tu travailles avec, puis on ne sait jamais, la prochaine fois tu vas peut-être voter pour eux. Monsieur Cahouette, à votre tour. J'ai été assez clair dans mon introduction. Le préfet porte les enjeux de notre MRC. Il ne porte pas les enjeux d'une couleur politique, d'un parti politique de notre MRC. Donc, c'est totalement l'inverse.
une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est clair. Moi, j'ai travaillé au cours de ma vie avec des gens de différentes allégeances politiques. Dans le rôle de préfet, c'est pas différemment. Je pense qu'avant tout, c'est la qualité des dossiers qu'on réussira à monter ensemble qui vont faire leur force et non pas la couleur politique des députés et des gouvernements qui, de toute façon, changent. On n'a aucun intérêt à se coller une couleur politique. Je ne le répéterai jamais assez. Je pense qu'une fois qu'on a dit ça, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Merci beaucoup, Mme Ignacio. Je vous dirais que dans les dossiers économiques, peu importe les allégeances, on n'a pas le luxe de faire paraître nos allégeances quand on travaille nos dossiers économiques. Moi, j'entretiens d'excellents liens avec toutes les personnes qui sont au pouvoir actuellement. Comme présidente de Chambre de commerce, j'ai déjà eu à travailler avec ces gens-là et je vais le faire. Mon mandat de communiquer avec tous les gens au pouvoir pour m'assurer que les dossiers, on est capable de les accoucher dans la MRC du Rocher-Percé. On est dans un contexte favorable, d'après moi, avec l'avenue d'une ministre fédérale dans notre région, dans un gouvernement qui a promis de s'endetter pour les infrastructures. Alors, on va essayer d'aller chercher tous les argents possibles pour notre région pour s'assurer qu'on va chercher notre part du gâteau. Merci beaucoup, M. Blais. Lorsque j'étais en politique, je vous dirais, une des choses qui m'enrageait le plus, c'est la fameuse partisanerie. Parce que lorsqu'on travaille ensemble, on peut tout réussir. Donc, aussitôt qu'on commence à être relativement partisan, protéger son coin, dire que l'autre, son histoire n'est pas bonne parce qu'il n'est pas de la même opinion politique, ça, c'est la pire des choses qui pourraient nous arriver. Ça donne bien, les gens qui sont déjà en place, je les connais comme très bien, mais en même temps, je vous dirais, c'est un beau défi, mais c'est un beau défi de le faire ensemble. Et à partir du moment qu'on va être ensemble, on va pouvoir passer au travers. Parce qu'il y a bien des écueils qui nous attendent, notamment, on pourra en parler tantôt, le programme d'infrastructure, parce que je vais vous dire bien franchement, il y a des grosses villes qui s'appellent Toronto, Montréal puis Québec qui sont en train de s'approprier une grosse part là-dedans. On va avoir un sérieux travail. La seule partisanerie possible, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble au niveau de la MRC Rocher-Percé avec les gens qui nous entourent. Merci. Pour aller en chercher davantage. Merci, Mme Bourget. Merci. Alors, durant toutes les années, les 31 années que j'ai travaillé au gouvernement, on avait une obligation de réserve. Donc, naturellement, je ne suis pas très partisane. Mon cœur est à ma MRC, à ma région, bien plus qu'un parti politique. Mais j'avais cette habitude-là de réserve. Donc, à la préfecture, ce qu'il y a d'intéressant, il y a une grande liberté. Et moi, ce que j'entends porter, c'est les besoins de la population, de la communauté, quel que soit le parti politique. Donc, au fil des ans, j'ai dû m'adapter à des changements de parti, à des changements de ministre. Donc, je suis habituée à ça et je pense qu'à travers la passion que j'ai pour ma région, ma capacité de communiquer, la maîtrise des dossiers, je ne vois aucune difficulté à interagir avec les différents partis politiques et les différents paliers de gouvernement. Merci beaucoup. Et enfin, M. Berger. Moi, je l'ai prouvé par le passé, les 15 dernières années que j'ai présidé les établissements de santé. Je travaillais avec les deux paliers du gouvernement, provincial, PQ ou bien les libéraux. Nous en avons fait un établissement modèle de gestion et de développement. Alors, il n'y a pas de partisanerie, comme M. Blais disait, c'est travailler avec les gens qui sont en place, puis je m'en donne assez bien avec la politique, j'ai aucun problème. Merci. On arrive enfin à ce deuxième bloc du débat. Là, c'est la portion interactive où vous avez peut-être retenu quelques notes de ce qui a été dit auparavant, peut-être des sujets sur lesquels vous voulez revenir. Pour mémoire, on a parlé de pêche, on a parlé de jeunes, on a parlé de gaspillage, on a parlé de politique et du centenaire de Chandler. Je pense que ça va aller de soi, mais on va vous rappeler la règle. Il y a 2 minutes de réserver. Donc, la personne engage son 2 minutes et il y aura donc des réactions à ça qui vont s'ensuivre. Vous pouvez aussi vous interpeller sur des choses. Alors, on commence avec M. Blais. OK, allez-y. 2 minutes? Oui. Bon, je vais vous parler en termes de nuances, parce que je vous dirais que tout ce qui a été dit jusqu'à date, je le partage à la limite à presque 100%, mais il y a quand même des nuances à avoir. Et une des principales nuances, c'est par rapport à ce qu'on nous dit à gauche et à droite, il y a un programme d'infrastructure de 125 milliards sur 10 ans qui s'en vient à Ottawa. On a comme l'impression que c'est la manne, qu'il va y avoir beaucoup d'argent, mais comme je le précisais tantôt, il y a déjà des villes comme Québec, Montréal, Toronto, Vancouver qui ont déjà mis la main dans la pâte et ils font en sorte d'aller en récupérer le plus possible. Parce que lorsqu'on remarque les programmes d'infrastructure d'autrefois, parce qu'il faut s'inspirer de ce qu'on a vécu pour pouvoir
mieux contrer la situation d'aujourd'hui. Lorsqu'arrive le temps de diviser cet argent-là au niveau des infrastructures, oui, le fédéral envoie l'argent, mais c'est Québec qui priorise les dossiers. Et ça, ça fait en sorte que des fois, on s'aperçoit, on s'est aperçu tout récemment, que vous le savez, vous l'avez entendu parler, on a mis 200 millions de dollars pour construire un amphithéâtre à Québec, pour une équipe qui n'est pas encore arrivée, je le souligne. Et pendant ce temps-là, il y a des gens ici qui manquent d'infrastructures et qui font en sorte que les assises, la pierre angulaire qu'on devrait normalement avoir dans notre territoire, au niveau des transports, au niveau des infrastructures, bien, on ne les a pas. Par contre, ailleurs, on ne gêne pas pour en demander davantage. Et j'écoutais en particulier, lorsqu'on parlait du programme d'infrastructure, tout récemment, les gens se sont réunis à Ottawa. Qui était là? Pas nos municipalités puis nos préfets. C'était des gens, supposément, en passant des grandes villes. Puis, petite chose à dire, les grandes villes sur un petit territoire, j'appelle ça pas nécessairement une grande ville. Mais les villes comme Montréal, Québec, Toronto se sont réunies, ont rencontré le premier ministre, ont rencontré 5-6 ministres. Mais imaginez-vous de quoi ils ont parlé. Ils ont parlé de quelle façon ils allaient se séparer la belle tarte qui s'en vient avec le 125 milliards. Donc, on a un sérieux travail à faire par rapport à ça. Et dans ce sens-là, bien, je m'y engage pleinement et j'invite évidemment la personne qui va être élue à faire en sorte que d'être très vigilant par rapport à cette situation. Alors, merci, M. Blais. On va pouvoir réagir à ce qui vient d'être dit, mais là, vous avez 30 secondes chacun. Chacun aura son 2 minutes pour attaquer le premier sujet. Donc, vous avez à tour de rôle à réagir aux propos de M. Blais sur les infrastructures. Moi, je suis en bonne partie d'accord avec M. Blais. Il faut être proactif. Le mot-clé, c'est de la proaction. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une annonce. Il faut vraiment avoir un plan, à monter ton dossier, présenter ton dossier, te servir de ton intelligence pour convaincre les gens, nonobstant de la couleur politique. Puis si ton dossier est bien présenté, tu obtiens le respect de ton interlocuteur. Mais une fois que tu as le respect de ton interlocuteur, tu peux aller chercher des choses incroyables. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir à ça? Tout à l'heure, il y a un monsieur Kevin White qui a mentionné le chiffre de 12 milliards pour ça. Il y en a d'autres qui ont mentionné d'autres trucs. Allez-y, Mme Minassian. Moi, je dirais qu'un des gros défis qu'on a en région quand on présente des dossiers au gouvernement pour les infrastructures, c'est qu'on se fait dire que si jamais les clients ne sont pas là pour utiliser le service, on ne peut pas se faire financer. Alors, on tombe toujours dans le cycle de la poule et l'œuf. Je vous dirais que l'initiative qu'ils ont pris de 200 millions pour un aréna avant qu'il y ait une équipe va être une excellente nouvelle pour nous, parce que ça vient nous donner une jurisprudence. Et avec un préfet qui a le leadership de bien présenter un dossier, je suis certaine qu'on va être capable de venir dégager des fonds qui vont venir nous supporter dans notre milieu. Merci beaucoup. Madame Bourget? Bien, je fais un parallèle avec ce que Madame Minassian vient de dire. Il faut d'abord nous croire en notre potentiel. Je vous donne l'exemple de l'établissement de détention de Percé. Au plan provincial, les gens trouvaient l'idée géniale. Ils la trouvaient géniale si ça se passait à Montréal. Parce qu'à Montréal, il y avait un bassin de personnes incarcérées, agresseurs sexuels, il y avait un bassin de professionnels de la santé capables de bâtir un programme, alors qu'il me renvoyait l'image que c'était impossible ici de faire venir des personnes incarcérées, de faire venir des personnes compétentes, des professionnels, d'avoir un directeur clinique, alors que c'était tout à fait le contraire. Quand on croit dans un projet, il faut vraiment être d'abord bien articulé, comme M. Englehart le dit, bien documenté et marteler le message. Voilà. Et la prison de Percé montre bien que oui, on a trouvé toute l'équipe de spécialistes, la prison est toujours pleine. Merci. Et c'est un succès. Madame Bourget, merci. Monsieur Berger, vous voulez intervenir sur les infrastructures? Je vais sur M. Blais. C'est sûr que la répartition de la subvention ne fait pas l'affaire de tout le monde parce qu'à un moment donné, tu as des municipalités, la façon que c'est réparti, c'est tiers. Tu as des municipalités qui ne peuvent pas avoir accès à des subventions pour l'infrastructure parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer pour les infrastructures. Quand elle disait que les infrastructures qui le servent au complet, c'est sûr que tu as encore en Gaspésie, ici, dans notre MRC, beaucoup de gens qui n'ont pas de service à caduc, d'égout et de l'assainissement. Même nos cours d'eau, là, nos cours d'eau, c'est la MRC qui gère les cours d'eau. Toutes les tributaires qui déversent dans la rivière, qui alimentent nos prises d'eau potable, si les coupes à blanc n'arrêtent pas, puis si les déchets n'arrêtent pas, alors ça va contaminer nos prises d'eau potable. Alors,
Le projet d'infrastructure que M. Blais mentionne présentement, avec la taxe d'assises, où nous sommes en train là, de réparer certaines rues partout ailleurs, ça, et ça s'applique. Mais les 125 milliards, c'est sûr que notre pointe de tarte, nous autres, elle est tout petite. Il faut faire partie de cette pointe de tarte-là, en autant qu'il change le financement puis le pourcentage de financement. Merci là, beaucoup, M. Berger. C'est tout le temps qu'on a pour tout de suite. Là. Alors, vous pouvez réagir aussi de ce côté-là, puis après, on va enchaîner avec un nouveau sujet. Allez-y. Sans répéter tout ce qui a été dit, avant même de penser à développer des nouveaux projets d'infrastructure, j'inviterai nos gouvernements à assumer leurs responsabilités quant aux infrastructures actuelles qui sont en péril dans notre région. On va en parler, j'espère, tout à l'heure, que ce soit les infrastructures maritimes, portuaires, que ce soit les infrastructures ferroviaires et autres enjeux de transport, que le gouvernement ou les gouvernements plutôt assument leurs responsabilités. On peut se battre et on va le faire pour aller chercher des nouveaux projets d'infrastructure. J'aimerais ça également que le gouvernement nous accompagne pour consolider celles qu'on possède déjà et qu'on veut préserver, qui sont importantes pour notre région. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui se sentent d'attaque pour un deuxième sujet? Monsieur Blais a ouvert avec les infrastructures. Vous allez, la personne qui choisit le débat va commencer avec 2 minutes. Il peut prendre moins de temps aussi si vous avez tout exprimé en moins de ça et les autres auront encore l'occasion. Allez, quel sera le sujet que vous allez aborder? On va avoir des idées créateurs, parce que moi, je suis comme un leader proactif. Donc, moi, quand j'entends parler d'infrastructure, je pense que si on n'est pas capable, comme municipalité, de fournir un tiers, pourquoi qu'on ne développe pas des projets régionaux? Exemple, le soccer est bien populaire l'été, très populaire le soccer l'été. Exemple, l'aréna de Newport, pourquoi que ça ne deviendra pas un dôme pour le soccer en hiver? Puis là, on pourrait faire un projet régional et tout le monde, toutes les municipalités fourniraient dans le tiers. On aurait un beau dôme comme à Québec sur le boulevard Lormière. Pourquoi pas? Ça prend des affaires comme ça. Puis il faut être très vite. L'intelligence, là, c'est donné, mais c'est pas donné au même degré à tout le monde. Moi, je vous offre la mienne. Merci beaucoup, M. Anglerard. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Oui, Mme Bourget. J'oserais prétendre que j'en ai un petit bout. C'est bon. Mais je veux juste... Sentez-vous pas visé. Non. Mais je voudrais juste dire que tantôt, M. Berger a dit quelque chose que je trouve très important. Il parlait de l'innovation puis il parlait de la ferme marine. Je me suis promenée dans la MRC. Pourtant, je pensais la connaître, la MRC. Je vis dans la MRC. J'ai vécu là toute ma vie. Et j'ai découvert des choses extraordinaires. Et je pense qu'on... On ne vante pas encore assez tout notre génie. Oui, la ferme marine, oui, le parc où on garde des bateaux en cale sèche, c'est fantastique. Les microbrasseries, le géoparc, les exemples se multiplient et je pense qu'on devrait célébrer notre génie, comme dit si bien M. Anglehart, le célébrer régulièrement, en parler et pour commencer à y croire d'abord nous-mêmes. Merci. Et ça va venir nourrir l'entrepreneurship. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir à la créativité, aux idées qui ont été avancées? On a mentionné des choses dans l'ambulation. Je vous dirais qu'il y a un sujet qu'on n'a pas touché encore, mais qui vient se rattacher à la créativité, et c'est tout le secteur des technologies, de l'information et des communications. Actuellement, on a un problème de transport, et le seul secteur d'activité où le transport est moins important, c'est celui des technologies de l'information et des communications, où tout se fait par Internet. Je vous dirais qu'on est capable d'articuler ce secteur-là avec tous nos secteurs traditionnels. On a vu l'exemple dans les pêches avec la traçabilité du homard. On le voit avec le journal électronique aussi que les pêcheurs ont à bord. Mais aussi, c'est une façon de retenir les jeunes parce que les technologies de l'information et des communications nous permettent d'offrir des formations en région et permettent aux jeunes de rester axés sur ce qui se passe dans les grands centres, de travailler dans la programmation informatique et tous les secteurs qui sont vraiment d'actualité pour eux. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre, monsieur? Permettons-nous effectivement un peu plus de folie comme région. Ne mettons pas de côté des projets qui, a priori, peuvent paraître ridicules, mais on se rend compte qu'après quelques années, ça éclot, ça a émergé. Je donnais l'exemple tout récemment, deux petits exemples qui peuvent être multipliés. Le premier, à une certaine époque, dans le coin de l'Anse-à-Beaufils, il y a des gens qui ont mis un pécule sur la table pour préserver un bâtiment historique qui est devenu un lieu de création et de diffusion culturelle excessivement important pour notre MRC et pour notre région. Ces gens-là, à l'origine, je suis certain qu'il y a des personnes qui nous disent « Vous êtes un peu fou. Qu'est-ce que vous faites là? » C'est parti de rien, c'est un brin de folie. Et ça a créé des jobs en plus, c'est parti d'un projet social, préservation du patrimoine, d'un bâtiment historique, ça a créé des jobs. Deuxième exemple,
des jeunes qui sont venus faire de la bière en Gaspésie, baptême. Il faut être un peu fou, qui sont installés à Val d'Espoir, puis dans le coin de Percé pour faire ça. C'est assez extraordinaire dans sa beau-fils. Qui aurait cru ça possible? C'est devenu des joueurs importants dans le domaine des microbrasseries. À tel point qu'on peut même se poser si c'est encore une microbrasserie dans le cas de Pied-Caribou. Puis ça a pris un embranchement maintenant à Val d'Espoir. Donnons-nous, permettons-nous d'alimenter, de supporter davantage notre folie. Et je suis d'accord avec Nadia là-dessus. Le tourisme et les nouvelles technologies de l'information, il y a des liens importants à faire. Les touristes qui viennent ne sont plus ceux de mon âge ou ceux des plus vieux. Ce sont des gens qui se promènent avec des appareils, qui ont soif d'applications et qui veulent découvrir le monde différemment. Il faut être à jour à ce niveau-là. Merci beaucoup. On a ajouté un petit 2-8. On va revenir parce que je suis tout excité qu'on parle de fou et de folie parce que je pense qu'on est tombé dedans, nous, dans le fond de bassin. Mais il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose là-dessus, mais retenez votre idée, on pourra y revenir. Oui, il y a quelqu'un qui voulait intervenir? Non? Okay, alors, il y a M. Blais, allez-y, puis après ça, ce sera vous. Il y a M. Berger qui n'a pas parlé là-dessus encore. Alors, Je vais m'inspirer beaucoup de ce que Benoît vient de mentionner par rapport à… Parce que j'avais ces exemples-là en tête, Lance à Beaufils, par rapport à ce qui se passe avec le quai et la reprise en main là-bas, puis la microbrasserie. Je vous dirais, des exemples comme ça, on a de plus en plus, et heureusement. Mais ça veut dire que, au préalable, ces gens-là ont développé de la confiance. Et je le sais très bien, pour avoir vécu un paquet de situations, cette confiance-là fait, à la limite, fait foi de tout. Ça nous permet de passer au travers bien des problèmes et ça permet aussi d'épater la galerie lorsqu'arrive le temps de rencontrer des gens à l'administratif ou encore aux politiques. Parce que si tu te présentes là-bas en n'étant pas trop sûr de ton affaire, mais c'est sûr et certain que tu risques de te retrouver avec un échec. Mais les exemples de Lance à Beaufils, les exemples qu'il y a ailleurs également sur le territoire, bien, ça nous aide. Le circuit des bâtisseurs, exemple, à Chandler. On aurait pu dire que ça, c'était un peu folie, mais finalement, ça fait des petits assez que là, on veut illuminer le circuit pendant le soir et la nuit pour développer davantage. Merci. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre conscience et connaissance. Merci. Et pour le mot de la fin, M. Berger. Est-ce qu'on peut déborder du sujet? Moi, j'aimerais me sécuriser. On parle de jeunes, on parle de développement, mais on ne parle pas de personnes âgées. Est-ce qu'on peut demander l'avis des autres? Est-ce qu'on peut terminer ce sujet-là? Il doit avoir vous pouvez laisser passer votre point là-dessus. OK, on va le laisser passer. Regarde, je ne peux pas, Corrin, va pas vous répéter ce que tout le monde a dit. Ouais. Merci beaucoup. Alors, justement, est-ce qu'il y a eu… est-ce que vous voulez intervenir et nous lancer sur une autre piste? Est-ce que je peux lancer sur une autre piste? Oui, il va juste réagir. C'est quelque chose de rapide, là. Oui, c'est la passion. Le mot passion, là, moi, comme préfet, qu'est-ce que j'organiserais peut-être dans la deuxième semaine de mon mandat? C'est un brainstorming pour que tout le monde donne toutes sortes d'idées folles un peu, puis prendre des notes, puis à un moment donné, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis bien souvent, on va être extrêmement surpris de qu'est-ce qui peut arriver avec nos idées folles. Parce que moi, j'en suis un qui arrive avec des idées folles. Puis laissez-moi vous dire qu'il y a des choses qui se passent. Merci. Madame Bourget, c'est à votre tour. Vous voulez lancer un débat? Oui, voilà. Allez-y sur un sujet. Et les autres, vous notez, vous pouvez intervenir dès la fin de son intervention pour relancer, partager et commenter. Allez-y. Je voudrais vous amener sur le sujet de la participation citoyenne. Lorsqu'il était question tantôt des budgets, on a parlé de démocratie. Je dois vous dire que beaucoup de gens, oui, on est 6 candidats, mais c'est quand même fantastique la présence de 6 candidats dans une MRC. On parcourt le territoire, mais on parle de passion, on parle d'MRC, on parle de politique. Donc, votre présence ce soir, là, c'est le premier pas dans la participation citoyenne. Ce sont les gens à la maison qui nous écoutent à la télévision communautaire, les gens qui nous suivent à la radio, les gens qui nous interpellent à l'épicerie avec une question. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de participation citoyenne, c'est fondamental. Donc, je peux pas faire autrement, c'est bien important. Là, on est en plein milieu de mandat, puis on va avoir des élections en février, c'est assez ordinaire, dans les grands froids. Le 28 février, faisons-nous plaisir, célébrons notre MRC. Puis la participation citoyenne, nous, on a fait notre possible, on s'est engagé dans la préfecture, 6 candidats. S'il vous plaît, le 28 ou le 21, allons voter, puis envoyons un message fort aux futurs préfets, préfètes, qu'il y a toute une communauté qui a des attentes, puis qui veut des comptes. Je trouve ça très important et c'est vraiment stimulant, je dois vous dire, quand on est de ce côté-ci, puis on sent qu'il y a une population qui a des attentes.
Merci beaucoup, Mme Bourget. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir sur le même sujet? Participation citoyenne, c'est important, rapprocher les gens de la MRC pour rapprocher les gens des citoyens. La madame fait référence à l'élection du 21 puis du 28. Moi, je vous dirais un mot-clé ou deux, trois petits mots-clés. Pour évaluer une personne, il ne faut pas l'écouter parler. Il faut regarder cette personne dans l'action. Ce qu'elle fait. C'est pas moi qui dis ça, c'est Mandela. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter à la participation citoyenne, Mme Minassia? Moi, je vais faire du pouce sur ce que vous avez dit, M. Englert. Je suis bien contente de vous entendre le dire. Quand on parle de participation citoyenne, il y a aussi toute la représentativité régionale qui va avoir lieu. Et si on se fie aux actions, comme présidente de Chambre de commerce, on a été en mesure, avec une équipe, de rebâtir la Chambre de commerce du Rocher-Percé. Et c'est le même genre de leadership que j'aimerais avoir autour de la table, à la table des préfets, parce que la MRC doit avoir une représentativité forte en Gaspésie, parce qu'il va y avoir des gros dossiers sur la table, des dossiers qui vont nous mettre en situation de tension, parfois, avec d'autres MRC. Et on veut être en mesure de les régler de façon efficace et de façon gagnante pour nous. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Bien, je sais que M. Blair, bien, c'est pas grave, vous pouvez céder la parole à M. Caillouet. On va rester gentleman et avec la courtoisie toute la soirée. Allez-y, M. Caillouet. J'ai fait de mon pain et de mon beurre au cours des 6 dernières années la participation citoyenne. Avec nos partenaires sociaux, avec nos organismes communautaires, avec les gens du public et du parapublic, avec des gens du privé également dans certains cas, on a identifié, on a discuté, on a mobilisé et on a agi sur des enjeux de pauvreté et d'exclusion sociale. Faire contribuer les citoyens qui viennent nous apporter un peu leurs connaissances et leur matière grise, parce qu'on n'est pas des spécialistes à la MRC, on est plutôt des généralistes, en tout cas comme préfet. On est allé chercher ce qu'il y avait de meilleur chez les gens, on a identifié des problèmes et on a agi dessus. Comme élu à la ville de Chandler, je me suis fait un devoir en 2 ans, ça n'a pas été long, je me suis fait un devoir à chaque année de faire des rencontres publiques envers les citoyens, non seulement de mon quartier, mais du Grand Chandler. Venez, je fais une reddition de compte. L'état des dossiers, c'est ça. C'est ça qui se passe et c'est ça qui ne se passe pas. Et voici pourquoi. Et venez m'alimenter sur les enjeux de mon quartier. C'est comme ça que ça nous a permis d'intervenir sur des enjeux bien précis, parce que nous, on ne sait pas tout, comme élus. On a besoin d'être alimenté. Et la participation citoyenne, pour moi, c'est un enjeu fondamental. Et troisième point, la gouvernance régionale. Moi, je le dis tout de suite, parce que ça commence à se parler. Je pense qu'il va attendre que le prochain préfet de la MRC soit élu. Je tiens à ce qu'il y ait des gens, des citoyens qui disposent de compétences, qui soient associés de près aux décisions qui seront prises là. Les élus, on est loin de posséder toute la vérité. Au contraire, je pense qu'en région, on a des individus qui disposent de capital et de matières grises importantes pour nous alimenter à prendre les décisions justes et correctes pour la communauté. Merci beaucoup. Puis il y en a d'autres qui ont commenté encore sur la gouvernance et la démocratie citoyenne, M. Berger. On a donné quelques exemples. Voulez-vous en ajouter? Quand on parle de gouvernance municipale, là, c'est beaucoup, parce qu'une gouvernance, c'est que tu détermines les grandes orientations de ta MRC. Et aussi, il faut s'allier les autres MRC avec toi pour tes dossiers régionaux. Si tu n'as pas d'appui à l'Est et à l'Ouest, c'est bien de valeur, mais tu peux faire patate, comme qu'on appelle si bien. Parce que la gouvernance municipale, c'est très large. Alors, il faut connaître la gouvernance pour pouvoir l'appliquer, puis aller chercher puis créer une synergie avec le conseil de l'Évain. Merci. Puis M. Blais. Bon, j'aimerais tout d'abord remercier Suzanne d'aborder le sujet de la participation citoyenne, et ça m'amène à dire que le document dont on parlait tantôt, qui est peut-être pas suffisamment connu, qui a été déposé, si je ne me trompe pas, en décembre 2014 et qui trace la voie pour les prochaines années, je pense qu'une des façons de faire en sorte que tout ça, ça s'articule dans l'action, c'est d'y associer le citoyen puis la citoyenne. Et une des façons de le faire pour que la population soit davantage concernée, c'est la rencontrer, oui, mais qu'elle se sente écoutée aussi. Pas juste entendue, mais écoutée. Écouter dans l'action, et c'est pour ça que je pense qu'avec le Conseil des maires, et ce sera intéressant que la prochaine préfecture regarde la possibilité qu'il puisse y avoir un suivi par rapport à ce dossier-là, mais un suivi aussi avec le citoyen. Merci beaucoup. Prochain sujet, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tenter l'aventure? Madame Minassian, vous allez nous entretenir de quoi? Vous allez réagir à ce que vous avez entendu? Ou? Non, bien, je vais partir un sujet. Parfait. Allez-y, Je parlais tout à l'heure de la gouvernance régionale et certaines tensions qu'on peut vivre avec d'autres MRC. On s'entend qu'on est une région, on doit se tenir solidement ensemble.
Mais malgré tout, il y a des dossiers qu'on se partage, qu'on essaie d'avoir chez nous. Et je vais y aller avec le fameux dossier de l'aéroport. Moi, je veux que ça soit extrêmement clair que moi, comme préfet, je me positionne clairement en faveur d'un aéroport régional à Grande-Rivière. Je ne dis pas que c'est nécessairement nous qu'on va l'avoir, mais je pense que c'est extrêmement important qu'on bâtisse un dossier et on se positionne à même titre que Gaspé et que Bonaventure, parce que sans aéroport régional en Gaspésie, on n'aura jamais accès au grand centre rapidement. On ne calcule plus la distance en termes de kilométrage, on calcule la distance en termes de temps. On doit être à 2 heures de Montréal et non pas à 1000 kilomètres de Montréal. Alors, c'est un dossier qu'il y a déjà eu du travail qui a été fait et je vous dirai que je pense qu'on a d'excellents arguments et de raisons de se positionner. On est le centre. Non seulement qu'on est le centre, on est la MRC avec le Rocher-Percé, donc la capitale touristique du Québec. Et en plus de ça, on a la plus grosse capacité d'accueil, d'hébergement et de restauration de la Gaspésie. Pour ces raisons, on est tout disposé à avoir l'aéroport régional chez nous. Et comme préfet, je vais m'attarder particulièrement sur ce dossier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Oui, moi. Je vais en avoir parce beaucoup. Que dans le journal Le Havre, dans le journal Le Havre, ils ont seulement placé deux mots pour moi. Deux priorités, puis c'en était une, ça. L'aéroport. Puis moi, régional, on a vraiment... C'est pas vraiment le débat, c'est l'aéroport régional. Qu'est-ce que la MRC Rocher-Percé a besoin? C'est de rallonger sa piste pour faire en sorte que Percé, la ville de Percé, devienne qu'est-ce qu'elle doit être? Une destination vacances avec des voyagistes. Parce qu'un voyagiste ne peut pas organiser des voyages vacances à Percé, à Rocher-Percé, si l'aéroport ne peut pas accueillir des moyens porteurs, exemple comme la Syrie C. Ça fait que nous autres, notre priorité, c'est de rallonger la piste. Puis les autres préfets, moi, je les connais bien, comme Jean-Guy Poirier, il est là, ça fait une éternité, puis j'étais dans son éternité, j'étais là aussi, mais ça, j'ai pas la même âge que lui. Pour vous souligner mon âge, j'ai 63 ans, puis j'ai l'intention de prendre ma retraite à 93, ça fait que vous mourrez pour un autre 30 ans. J'essaie de battre le record à Mme Hazel Durniaux, qui a été à Mississauga jusqu'à l'âge de 94, puis elle m'a donné la main cet été, puis elle me l'a lancé le défi. Bien là, je vous laisserai pas plus longtemps, là, parce que vous allez vivre centenaire ce soir avec le chrono. Il y en a qui n'ont pas parlé encore sur ce sujet-là, lancé par Mme Minassian. Est-ce que vous voulez intervenir? Mme Bourget? Ah, vas-y. Non, mais... Allez-y, okay. M. Blais. Oui, 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 oui. Il n'y a pas de préséance, là. Je vous dirais qu'effectivement, on ne peut pas ne pas être d'accord à avoir un aéroport digne de ce nom ici à Grande-Rivière. Parce que on est une région touristique par excellence, reconnue à une échelle québécoise, à une échelle canadienne, à l'international. Mais bon Dieu, quand il s'agit de parler de moyens de transport pour s'y rendre, c'est extrêmement difficile. Puis en plus, c'est cher, très cher. Donc, dans ce sens-là, il nous faut quelque chose qui a de l'allure pour pouvoir travailler de façon constructive. Et une des façons, c'est effectivement d'avoir un aéroport régional qui pourrait transporter des passagers, oui, par rapport au tourisme, mais aussi du cargo. Il ne faut pas l'oublier. Je sais très bien que j'ai entendu des gens dans l'industrie des pêches qui pensent déjà aussi à ça, qui le font actuellement, mais qui pourraient le faire encore davantage, et ça permettrait de rentabiliser. Puis en passant, une infrastructure, là, il faut faire très attention à lorsqu'on entend des gens nous dire qu'il faut que ça soit absolument rentable. Le pont Jacques-Cartier à Montréal, il n'est pas rentable. Puis on ne se pose pas la question. À Montréal, ils vont construire un pont, là, un pont Champlain, 4 milliards 200 millions de prévus. Là. C'est même 300 millions de plus que par rapport à ce qui était prévu récemment. Mais les questions de péage, les gens de Montréal ne veulent rien savoir de péage. On ne parle pas non plus de dossiers qui font en sorte qu'on se retrouve dans des situations où ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Wow. Là, je vais faire un enchaînement avec M. Berger, sans jeu de mots. Allez-y, M. Berger. Pour l'aéroport... l'aéroport... Allez-y. Pour l'aéroport, je suis d'accord à 100%. Je vais être technique un peu, parce qu'on ne peut pas rallonger la piste actuelle. Si on veut se développer au point de vue touristique, européen et cargo, ça prend une piste de 8000 pieds. Il y a un terrain qui est potable, qui est drainage. Il y a 800 mètres de chaque côté que fluide de dégagement, ça te prend une dalle architecturale armée pour contrer la vibration et anaérobie bitumineux. Avec une piste de 8000 pieds,
nous sommes en voiture et on peut se développer, le tourisme peut se développer ainsi que le cargo, comme j'ai mentionné au tout début. Là, on serait en voiture, mais tant qu'à y aller avec une prise, c'est pas y aller, parce qu'il y avait une étude qui avait déjà été déposée, que 4000 pieds, c'était pas assez long. Ça c'est une étude qui date de 70. Merci. Mais ils l'ont construit à 4000 pieds. 6000, on peut pas tout recevoir à les porteurs. Merci. À 8000 pieds, on peut recevoir tous les porteurs. Merci beaucoup. Qui est-ce qui va enchaîner, Mme Bourget? Là, c'est à mon tour. OK. Allez-y. Alors, trois éléments. Je veux vous dire que je me suis engagée à travailler dans la continuité de la planification stratégique, et c'est clair, c'est écrit noir sur blanc, positionner et mettre à niveau notre aéroport pour qu'il obtienne le statut d'aéroport régional. Ça, c'est un. Deux, moi, ce que je trouve important, c'est de traiter des transports, mais pas individuellement chaque moyen de transport, mais le regarder comme un tout. Donc, il y a le train, il y a l'autobus, le transport en commun et l'avion. Il faut le regarder aussi les besoins de 2016 et être capable, et ça c'est difficile, de se projeter dans notre besoin dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que c'est des sommes faramineuses. Troisièmement, je ne peux pas à ce stade-ci aller plus loin, parce que dans ma tête à moi, travailler comme préfet, c'est travailler avec les maires. Ça veut dire être avec eux en table de travail, se faire une planification, un plan de match, et tenter d'être solidaire et de parler d'une même voix. Merci beaucoup. Et enfin, M. Cailloux. Il faut effectivement voir le transport dans son ensemble, je crois. Parler uniquement du transport aérien à l'heure actuelle, ça fausse un petit peu le débat. La priorité à l'heure actuelle, ce qu'on peut faire à court terme pour le transport, là, c'est de faire en sorte que Orléans Express soit efficace et abordable pour les citoyens. Ça peut se faire relativement rapidement. Orléans a manifesté l'ouverture pour changer son horaire. Il y a 7 arrêts présentement sur le côté sud de la Gaspésie. Il y en avait 47, si je ne me trompe pas, auparavant. Il n'y en a même pas à percer. Le capital touristique qu'on vend et qu'on reconnaît à travers le monde, il n'y en a pas. On peut-tu commencer par ça, à court terme, de régler ça, avant de parler d'un aéroport? On parle de concertation de rigueur. On se colle tout de suite dans un coin. Oui, l'aéroport, oui, l'aéroport. On n'a même pas commencé à discuter avec nos voisins de l'Est et de l'Ouest. Pourtant, on parle de concertation et discussion avec nos voisins. On peut-tu commencer par ça? Peux-tu commencer par lire l'étude, qui n'est pas publique, mais qui est à MRC à l'heure actuelle, du ministère des Transports, qui parle d'aéroport de Grande-Rivière et qui fait le tour? Peux-tu commencer comme préfet par lire ça? Peux-tu avoir une étude de viabilité, de faisabilité sur l'aéroport de Grande-Rivière? On a des impressions, on a des feelings que c'est pas vraiment une bonne chose. En termes de localisation, ça a de l'allure et du sens. On va défendre ça, mais on peut-tu avoir un petit peu de jus de bras avant de se lancer dans les débats et des chicanes de guenilles? Mais c'est drôle, Benoît, parce que pourtant, tu travaillais à la MRC, puis pourtant, moi, je les ai lues, les études, alors je comprends pas public. Pourquoi tu les as. L'étude n'est pas publique. Est-ce qu'on peut revenir si tu as des informations, tu ne peux pas le dire. Oui, on pourrait revenir à l'essence du débat, parce qu'on a complété le tour de piste de chacun pour ce sujet-là. Il en reste encore deux qui n'ont pas pris la parole pour initier le débat. Est-ce que l'un des deux, M. Berger, vous voulez vous engager dans un débat ou un commentaire? Le débat, on parle d'aéroport, on parle de transport, on parle de jeunes, on parle de développement. On ne parle pas de nos personnes âgées, puis j'y tiens de parler de nos personnes âgées. C'est l'occasion. Parce que nos personnes âgées, c'est où nous avons la population la plus âgée de l'Est du Québec dans notre MRC. C'est sûr que les logements sociaux sont très importants. Le plus bel exemple, c'est M. André Baudet, que je respecte beaucoup à Grande-Rivière. Son modèle, à lui, peut s'appliquer sur le territoire de la MRC avec l'accord de chaque municipalité. C'est sûr que les personnes âgées, ils veulent plus, qui sont très autonomes, ne veulent pas parler, ne veulent pas attendre le CHSLD ou l'USLD. Ce qu'ils veulent avoir, c'est des logements sociaux bien isolés, bien assonorisés, qui sont chez eux aussi, parce qu'ils veulent avoir de la sécurité avec un certain service. Moi, je table sur ça que c'est une priorité aussitôt que le nouveau préfet va être nommé, qu'il en fasse une priorité, les logements sociaux pour nos personnes âgées, puis aussi à des logements, les HLM, qui manquent beaucoup dans notre MRC, parce que c'est pas tout le monde qui travaille, on a beaucoup de gens qui sont sur l'aide sociale puis ont besoin de ça aussi, parce qu'ils vivent dans des petits appartements de 1,5, 2,5, des 4, 5, 6 à l'intérieur de ça. Alors,
en 2016, ce n'est pas acceptable. Merci, M. Berger. Vous avez lancé le sujet. D'autres veulent intervenir. Si vous le permettez, on va suivre cet ordre-là. Comme ça, c'est moins mêlant pour moi. Mais je pense qu'on va respecter à la fois le droit de chacun de parler. Madame Minassian. Pour revenir sur les personnes âgées, je vais vous dire que dans mon programme, je parle de famille. Et pour moi, la famille, ça ne se limite pas uniquement aux enfants, ça ne se limite pas uniquement aux parents, ça se limite aussi aux grands-parents qui doivent faire partie de la vision qu'on a de la famille. Je vous dirais que l'accès au logement, c'est extrêmement important et le prochain préfet va devoir cogner aux portes du gouvernement pour s'assurer que les programmes gouvernementaux qui financent les logements communautaires continuent à investir dans ce type de logement-là. C'est quelque chose comme préfet que je tiens à faire parce que dans une région comme la nôtre, il y a des places où on n'a pas encore de logement communautaire. Je parlerai de Port-Daniel à ce stade-ci. On a une population vieillissante et les gens n'ont pas de place pour se rediriger quand ils veulent plus s'occuper ou peuvent plus s'occuper de leur maison. Je vous dirais aussi que pour les personnes âgées, ce que j'ai constaté en faisant le tour de notre MRC, c'est qu'ils sont extrêmement actifs. Alors, on doit continuer à leur offrir des services sportifs, des associations et le financement vers les associations comme les clubs d'âge d'or où ce que les gens sont tellement actifs que j'étais un peu envieuse quand je faisais le tour de la MRC de voir des gens, des 200 personnes regroupées à tous les jours de la fin de semaine. Merci. Pour se retrouver. Merci, Mme Minassian. Quelqu'un d'autre, monsieur, on suit le bel ordre. Allez-y, M. Caillouette. Mais je fais le lien avec personnes âgées et transports parce que moi, c'est quand même important. Ça me permet de parler dans les idées. Ben, on essaie. En 2011-2012, il y avait autour de 29 000 personnes qui prenaient le train en Gaspésie lorsque notre région était desservie. On ne sortira pas pour un millier ou deux. Ça fait pas mal de monde, malgré ce qu'on pouvait penser que le train était sous-utilisé. Eh bien non. À raison de 3 jours d'opération par semaine, et parmi les clientèles qui utilisaient et qui utiliseraient le train si on l'avait, les personnes âgées. Nos personnes âgées qui maintenant doivent se trimballer dans des conditions pas toujours faciles dans les autobus, brasser pour se rendre à Rimouski, Montréal ou Québec ou ailleurs. De nuit. Alors, le lien, je pense qu'il est là. Je vais travailler au retour du train en Gaspésie et je vais inviter à répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, inviter le gouvernement à assumer leurs responsabilités. Si c'est 50 millions, si c'est 100 millions, on verra. Le train est un outil de développement important pour nos personnes âgées et nos familles. Une mère monoparentale qui trimballe 2-3 enfants, l'autobus, c'est peut-être pas l'option idéale, et l'avion, on l'est peut-être effectivement pas non plus. Pour nos gens d'affaires, puisque le train va servir à des entreprises sur notre territoire, ciment mécanisme, probabilité intéressante, et d'autres qui pourraient s'ajouter. Alors, personnes âgées, transport, famille, transport, ça demeure un enjeu important, et je compte bien y travailler. Merci, M. Englert. Est-ce que vous vouliez commenter? Certainement. Ma première chose, c'est féliciter l'Association des aînés. Parce qu'ils font un travail extraordinaire. Puis les études démontrent, les dernières études du ministère de la Santé, n'importe où au Canada ou dans le monde, c'est que les personnes âgées ou les personnes vieillissantes, leur premier souci, c'est de demeurer chez elles. Il y a beaucoup de monde qui ne pense pas à ça. Le premier souci de quelqu'un qui voudrait, qui aurait le choix, c'est de demeurer chez eux. L'Association des aînés fait un travail formidable, sauf qu'il faudrait qu'ils en fassent un peu plus, parce que des fois, ils leur donnent 20 heures semaine ou 30 heures semaine, mais souvent, la personne âgée, simplement pour se coucher le soir, il n'y a personne. Puis là, je sais de quoi ce que je parle. J'ai été président de la Villa Pobo pendant maintes années, puis comme c'est là, je prends soin de mon oncle Carmel Lebrun, qui est âgé de 93 ans. Le soir, il me téléphone, je traverse le chemin, puis je vais coucher chez eux. Merci. Merci, M. Englert. M. Blais? Oui, ça m'étonne que Maurice ne nous a pas parlé, mais d'un petit bout que j'aimerais lui rendre à César, qui appartient à César, c'est qu'en 2015, Maurice Englert a été nommé la personnalité de l'année chez les aînés. Et ça, il faut quand même le souligner. Je vous dirais qu'un des éléments qui me touche beaucoup, c'est le fait que l'aspect sécurité, mais sécurité financière, parce qu'on le sait, hein, pension de vieillesse plus supplément de revenus garantis, c'est pas grand-chose par année, c'est pas grand-chose par mois. Au prix que c'est rendu les aliments lorsqu'on va à l'épicerie, on s'aperçoit que ces gens-là sont comme égorgés de plus en plus. Et cette sécurité financière-là fait en sorte qu'on va avoir des gens plus vigoureux, des gens plus en santé et tout ça. Et ça va faire en sorte qu'ils vont recevoir ce qu'ils devraient normalement recevoir parce qu'ils ont travaillé toute leur vie. Puis même dans certains cas, il y en a qui continuent de travailler
parce que le 1 200 $ qu'ils peuvent recevoir par année, pas par année, mais par mois, n'est pas suffisant. Merci. Et obliger des gens à travailler à 70 ans, 75 ans, là, ça, ça n'a pas d'allure. Merci, M. Blais. Dernière intervention sur le point des aînés, Mme Bourgeois. Grâce à l'intervention de M. Berger, il me rappelle quelque chose de très important. On souligne la reconnaissance. Vendredi, au Musée de la Gaspésie, M. André Baudin était récipiendaire d'un prix de l'Ordre de la Gaspésie. Donc, je le félicite. M. Baudin a une longue feuille de route d'implication, mais entre autres au niveau du logement coopératif. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est d'abord une communauté où il y a des aînés, c'est pas une communauté dévitalisée. Les personnes âgées que je côtoie, là, ils sont énergiques. Ça sort tous les soirs de la semaine, ça joue à la pétanque, ça joue aux poches, ça joue au bridge. Ils sont dynamiques et il faut les compter comme une source vive. Il y a des gens, par contre, plus vulnérables et je prône le maintien à domicile et j'ai une attention particulière pour les proches aidants qui donnent leur temps et parfois leur santé quand ce n'est pas leur finance pour prendre soin de quelqu'un à la maison. Merci beaucoup, Mme Bourget. Merci trop. Ça complète cette portion concernant les aînés et les sujets qui s'y rapportent. Les aînés, peux-tu rajouter quelque chose? Le temps presse, il faut donner l'occasion aussi aux gens de poser des questions, si vous le permettez. Allez-y. Ce que M. Englert soulevait tout à l'heure, garder nos personnes âgées le plus longtemps chez eux possible. Le projet SEGA, c'est le premier au Québec qui est en train de se construire entre le CLSC puis l'hôpital. C'est justement pour garder les personnes âgées le plus longtemps chez eux. Puis le service à domicile, nous sommes les premiers au Québec pour la qualité de service. Merci beaucoup, M. Berger. C'est une précision importante à ajouter. Dernière intervention, M. Caillouette, vous avez la liberté de choisir un sujet déjà entamé, abordé par d'autres, ou un nouveau sujet que oui, vous mais je veux... J'aime bien parler d'économie, mais j'aime bien mentionner également que le développement des communautés, ça passe à la fois par le développement économique, dont on a passablement parlé ce soir, et le développement social, ou le développement des communautés au sens un peu plus large. On a 13 organismes communautaires accrédités dans la MRC Rocher-Percé qui forment la table des organismes communautaires. On a une vingtaine d'organismes communautaires en tout qui représentent grosso modo une centaine d'emplois et qui font un travail immense au sein de nos communautés, qui maintiennent nos milieux en vie, qui offrent des services, notamment aux extrémités où il y en a moins, et qui permettent ultimement à des entreprises de s'y installer, puisque c'est des milieux qui demeurent vivants envers et contre tous. Je compte comme préfet faire en sorte que l'ensemble des politiques qu'on a sur la table à l'heure actuelle, développement social, politique culturelle, politique aînée, on parlait d'aînés depuis tantôt, qui répondent à des besoins, nos aînés ont été mobilisés, et politiques familiales qui sont importantes, où il y a des citoyens et des citoyennes de mobiliser autour de ces enjeux-là, puissent se poursuivre dans le temps. C'est excessivement important. Vous savez, c'est une responsabilité facultative d'une MRC, le développement économique et social. Ça n'en est pas moins des responsabilités très, très importantes. À nous de maintenir nos milieux vivants si on veut que des entreprises naissent et se développent. Et tous ces bénévoles, souvent des bénévoles d'ailleurs, qui travaillent dans ces milieux, dans ces associations-là, dans ces clubs aînés, Ange d'or, Chevalier de Colomb, Optimiste, Comité Famille, etc., sont des actifs excessivement importants pour nos milieux. Et je compte faire en sorte que nos politiques puissent se poursuivre et aller de l'avant. Je compte être un partenaire important de nos organismes communautaires qui vivent avec des moyens excessivement faibles, qui sont sous-financés, qui font des miracles avec peu et qui, malgré tout, doivent, en certaines parties de l'année, fermer. Ces gens-là donnent des services à nos voisins, à nos amis, à des gens qui sont poqués et qui vivent sur notre territoire. Comme disait Boileau, 100 fois sur le métier, vous repasserez. Ce n'est pas parce que ce sont des enjeux qui sont difficiles à régler à court et moyen terme. Ce n'est pas parce que c'est des enjeux qui ne reviennent pas, parce qu'effectivement, on en parle tout le temps, c'est difficile de les solutionner. Ce n'est pas parce que ce sont des enjeux difficiles qu'on doit abandonner et qu'on doit détourner le regard de ceux et celles qui vivent des problématiques importantes dans nos milieux, que ce soit de persévérance scolaire, de sécurité alimentaire et autres, j'en passe, c'est des meilleurs. Je serai un préfet qui accompagnera nos organismes communautaires et nos citoyens dans les services offerts à ses clientèles. Merci, M. Caillouette. On va recommencer la tournée. Voulez-vous qu'on commence cette fois de ce côté-ci? On va y aller. M. Berger, on a ouvert une porte importante des organismes communautaires. Allez-y. Je vais être bref. Ce que M. Caillouette soulève, c'est parfait. Comme les ressources, le plus bel exemple, c'est le Centre Émilie-Gamelin qui est sous-financé. Puis que c'est un endroit incontournable pour notre MRC. Tout le monde y va au Centre Émilie-Gamelin. Personne n'est à l'abri. Alors, je siège là, ça fait 20 ans, mais je sais qu'est-ce qui se passe au point de vue de finances.
Mais par contre, on fait des miracles avec le peu d'argent, puis avec la population qui est très bonne pour... On parle de notre population aussi qui travaille pas, qui est du travail saisonnier. Mais combien que notre population donne comme à la Fondation du Centre de santé, au Centre Émilie Gamelin, les dons, avec les dons, on survit, on vient à bout des fois d'ouvrir 12 mois par année. Merci beaucoup, M. Berger. Madame. D'entrée de jeu, je dis que je souscris à tous les propos de M. Caillouette. Oui. Et de plus, je voudrais dire que pendant 31 ans, j'ai œuvré au niveau de la réinsertion sociale. Et je dois vous dire que je lève mon chapeau aux organismes communautaires en toxicomanie, en santé mentale, parce que ce n'est pas toujours vendeur, la réinsertion sociale. Et j'ai été témoin qu'année après année, ils espéraient du budget qui n'arrivait jamais parce qu'il y avait toujours une autre priorité. Donc, le soutien financier à nos organismes communautaires, mais aussi la prudence pour ceux-ci, parce qu'ils sont nombreux, qu'il n'y ait pas de dédoublement. Il y a trop de besoins, trop peu d'argent, donc une vigilance pour Merci. Qu'il n'y ait pas de dédoublement dans leur mission. Merci, M. Blais. Moi, je souscris évidemment aux propos entendus par rapport aux organismes communautaires, parce que si on enlève les organismes communautaires, on enlève une partie, à la limite, de ce qui fait une belle vie par rapport à certaines personnes. Parce que, vous le savez, les organismes communautaires existent, oui, pour donner des services, mais aujourd'hui, ils sont en manque de financement, et même qu'à la limite, je vous dirais qu'une des choses pervers qui arrive lorsqu'on manque de financement, c'est de courir après le financement. Donc, beaucoup de ces gens-là sont essoufflés, et ça fait en sorte que les gens essoufflés qui sont obligés d'aller chercher du financement un peu partout à gauche et à droite, mais ils ont moins de temps à consacrer pour les services. Et là-dessus, je vous dirais que ce sont des surhumains et des surhumaines, on en connaît, on pourrait en parler longtemps de ces gens-là, mais effectivement, ils font du travail qui est très important pour la communauté, puis en plus, ils sont sous-financés, donc imaginez-vous. Merci. Il y a deux personnes qui n'ont pas commenté encore, M. Engelard, pour cette question. Les organismes communautaires, je m'y connais un peu parce que je suis le président fondateur de la Maison des jeunes de Gascon. Tantôt, on parlait des jeunes. En 1995, j'ai fondé avec un comité la Maison des jeunes de Gascon, puis je suis encore le président. C'est comme une petite dictature à moi. Je vis facilement avec. Président des jeunes. Mais la dictature est pour le bien-être des jeunes. C'est important à savoir. Benoît. Ah oui. D'accord. On l'a compris. Madame comme toute dictature. Le mot de la fin en ce qui concerne cette comme un bon volet. Je suis d'accord avec tout ce qu'on dit, tous les propos sur les organisations communautaires. Je crois que c'est la base dans notre communauté. Par contre, on n'a pas du tout parlé encore d'économie. Moi, j'ai soulevé la question de l'aéroport. J'étais certaine que quelqu'un d'autre aurait parlé d'économie, mais moi, je vais ouvrir la porte, dit le mot développement économique, je saute dedans. Je crois que pour avoir une économie forte dans la MRC du Rocher-Percé, les emplois les plus faciles à créer sont dans nos entreprises qui sont déjà existantes sur notre territoire. On doit s'assurer d'avoir les conditions propices pour être capable de nourrir nos entrepreneurs, pour être en mesure de créer des emplois, de saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous, que ce soit par le renouvellement de l'offre touristique qu'on est en train de vivre dans la MRC au complet, et aussi par Simon Mécaniste qui va devenir un réel levier économique, un levier financier pour nos entreprises, qui va nous offrir des nouvelles opportunités d'affaires. Merci à vous tous. Je m'excuse d'interrompre parce qu'on arrive à la question importante. Monsieur Caillouette, vous êtes intervenu, non? Vous n'êtes... Ben non, oui, vous avez lancé, vous avez lancé le débat. Je pense qu'on a fait, on a clos. Évidemment, on va laisser la parole à cette fois, à cette période, à cette étape, au public qui nous a amené des questions, mon Dieu, ma foi, nombreuses. Alors, on va être obligé, je sais qu'on synthétise dans le temps, mais est-ce que vous avez un choix comme... comme futur préfète, de laisser la parole aux citoyens, voulez-vous qu'on leur adonne? Oui. Alors, je vous demanderai en contrepartie des réponses plus courtes pour permettre à tous ces gens qui sont venus ce soir nous encourager et s'intéresser à la démocratie, leur donner une chance. Alors, je vous demanderai chacun de faire des réponses courtes et moi, je vais essayer d'intervenir le plus rapidement possible. D'accord? Ça vous va? On y va pour une première question du public. Alors, on est rendu au bloc de questions de l'auditoire. Considérant que l'agriculture est un levier économique important, on n'a pas parlé d'agriculture jusqu'ici, et que la MRC tire de l'arrière dans le domaine, sur le plan du développement de la zone agricole, quelle est votre vision de l'agriculture? Est-ce qu'il y a des actions à poser? C'est Jean-Philippe de Percé qui nous pose la question. Qui veut s'essayer? Alors, on y va tout de suite, et j'apprécierais si les réponses sont courtes. Merci. Surtout pour les terres en friche, il y a beaucoup de terres qui sont en friche. Une première étape, ça serait de s'organiser pour enlever les zones rouges, etc., dans les terrains. Puis, tout simplement, avec
j'allais dire la gang de Cap-d'Espoir, mais plutôt la coopérative de Cap-d'Espoir, s'arranger avec eux pour dynamiser les milieux puis faire en sorte qu'on pourrait gagner sa vie un peu. Merci, M. Engelhardt. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir à l'agriculture, M. Caillouette? Oui, mais il y a, au cours des dernières années, je pense que c'est les 6 ou 7 dernières années, il y a un groupe de travail à la MRC sous l'égide de M. Bertrand Hanel qui a fait tout un travail assez exceptionnel en agro-silvopastoralisme. C'est un terme assez scientifique pour désigner l'espèce d'harmonie qui doit régner entre le paysage, les arbres et l'agriculture. Ne demandez pas plus, vous parlez à Bertrand si vous voulez des précisions. Mais c'est mettre en valeur notre territoire. L'agriculture, c'est pas juste s'élever des animaux ou des différents produits, c'est mettre en valeur la beauté de notre territoire également. M. Engelhardt parlait des terres en friche. Effectivement, les terres en friche qui sont mises en valeur un peu d'avant, c'est donne de la valeur et du poids à notre rayonnement régional. Il faut soutenir les efforts. Val-d'Espoir a déjà été un centre important à ce niveau-là. Il y a un microclimat dans ce coin-là. Je pense qu'on a des efforts à faire. On est encore loin. On n'est pas un milieu naturellement porté vers ça. Mais on l'a déjà été. On a tendance à l'oublier. Merci beaucoup. On poursuit sur la même veine. On va y aller ici. Qui veut intervenir sur l'agriculture? Madame Berger. Oui, Bourget, allez-y. Ça, c'est M. Berger. Moi, c'est Mme Bourget. brièvement, juste pour dire que je me rappelle quand j'étais jeune, mes parents me disaient que Val-d'Espoir il y avait une vocation pour l'agriculture avec l'école d'agriculture. Et je sais qu'il y a des gens qui font des belles initiatives dans ce coin-là. Et je pense qu'au Québec, il y a une belle jeunesse qui s'intéresse à élever leurs enfants dans un environnement sain, où il n'y a pas de stress, où il y a de la nature. Mais je pense qu'on pourrait être un lieu d'accueil où on pourrait promouvoir qu'on aurait de la saine alimentation avec des jardins. Donc, il y a là un créneau, une niche, c'est évident. Merci beaucoup. Monsieur Clavet, 2 secondes pour dire comment on voudrait, si j'ai oublié de mentionner, produire la santé ensemble de Val-d'Espoir, qui ont été des partenaires au cours des dernières années. Alors, ils font un travail exceptionnel. Je m'en voudrais de ne pas les nommer. Bien fait de le mentionner. Monsieur Berger, vous voulez commenter? Je suis pour l'agriculture à 100% à des endroits spécifiques comme Cap-d'Espoir et Val-d'Espoir, parce que tu as du dépôt meuble dans certaines régions de notre MRC qui ne peut pas recevoir l'agriculture. C'est sûr que n'importe qui ne peut pas partir de l'agriculture parce qu'il faut avoir une certaine connaissance, une certaine volonté parce que l'agriculture, ça se bâtit avec les années. Merci. M. Blais? Bon, je vous dirais là-dessus qu'il faut avoir beaucoup d'ouverture par rapport à tout ça parce que le potentiel, malheureusement, n'est pas suffisamment développé sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Et dans ce sens-là, de l'ouverture, oui. Et on peut regarder un autre volet par rapport à l'agroalimentaire dont on parle, c'est ce qu'on appelle l'agrotourisme. Ça fait en sorte que, oui, une terre agricole peut servir à aider l'industrie touristique et ça permet à ce moment-là d'agrandir l'éventail de possibilités pour l'agroalimentaire. Merci, M. Blais. Mme Minassian, sur l'agriculture, en Camille. Je vous dirais que l'agriculture, pour moi, ça sonne avec Val-d'Espoir. Il y avait la coop qui était à Val-d'Espoir à l'époque. Et on a toujours eu différents produits qui ont été cultivés là-bas. Je pense qu'il y aurait un développement à faire. Je pense même que éventuellement, ça va être le retour à la terre. On voit beaucoup des familles qui vivent dans un contexte beaucoup plus stressé dans les grands centres. Et je pense que c'est ce qui va faire la richesse de la Gaspésie, ce retour à la terre où les gens vont revenir et avoir une certaine sécurité d'être capable de cultiver chez eux. C'est avec le prix des aliments qu'on voit qui monte. J'ai l'impression que dans les prochaines années, ça va être un secteur qu'on va devoir explorer de plus en plus. Merci beaucoup. On a fait le tour de cette question. On va hâter le débat avec une question cette fois qui est adressée directement. Vous avez le droit à un candidat, une candidate. Madame Bourget, il y a une question pour vous. Vous dites que votre priorité numéro un est la réussite scolaire. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous allez vous y prendre pour atteindre cet objectif louable? C'est Pascal de Chandler qui vous pose la question. Allez-y. Bonsoir, Pascal de Chandler. Donc, d'abord, le nommer, le répéter et de supporter les lieux d'enseignement et que le préfet soit proche de ces lieux-là pour connaître les problématiques. Par exemple, on a juste à écouter les nouvelles pour savoir les enjeux qui se passent des choses actuellement dans les CPE. Il faut juste des fois aussi saisir les opportunités. Je vous dirais qu'on a la chance, et je le note dans mon programme, d'avoir une communauté anglophone au sein de notre MRC. Et ce qui amène des petites écoles de village où on peut apprendre l'anglais. Donc, c'est une belle opportunité et moi, j'en reviens pas comment, au fil du temps, on n'a pas exploiter cette possibilité-là d'avoir des lieux pour apprendre l'anglais chez les jeunes francophones. Donc, c'est une présence, c'est un support,
C'est de se soucier de la réussite scolaire dans nos polyvalentes. C'est supporter tout le parascolaire qui garde nos jeunes au secondaire quand ils ont bien plus, comme disait Nadia, la tête au sport ou à jouer à la guitare plutôt que de faire des maths et des sciences. Merci, Mme Bourget. C'est tout le temps qu'on a, mais je pense qu'on donne la chance à tout. Est-ce qu'on peut C'est parce que si on fait ça, la question est adressée à une personne. Si on ouvre ça, je pense que ça vous donnerait plus l'occasion de répondre à un plus grand nombre. Est-ce que ça vous va avec cette formule? Parce qu'il y a quand même une douzaine de questions. Ça vous va? Parce qu'on peut, après ça, individuellement, parler aux gens qui sont ici, qui ont posé des questions, qui veulent en savoir davantage. C'est juste pour des questions d'efficacité, de rapidité. Il y a une question qui nous est soumise ici, elle concerne tout le monde. What would be the MRC implication concerning the very urgent need of low-cost lodging for elderly people that cannot stay in their homes alone? Thank you. Alors, en gros, quels sont les besoins? Qu'est-ce que la MRC peut faire? Quel est son engagement concernant les personnes âgées pour les questions d'habitation à loyer modique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à ça, Madame? Je peux le prendre. Quelqu'un d'autre? We addressed this question earlier. I tell you that one of the issues that we have on the table is that the government is trying to take away the financing for this type of lodging. As prefect, I would make it a commitment to be able to represent the MRC and be able to get to unblock these funds so that we'd be able to put lodging, especially in areas like Port Daniel where we don't see any. I think in Chandler and Sainte-Thérèse we already have nice projects on the table that are going to be coming forward, except in Port Daniel it is a preoccupation. It's something that has been raised often and with me, and as prefect I will make it a mandate to see the government and try to obtain the financing for that type of lodging. Thank you very much, Madame Minassian. Merci beaucoup, Madame Bourget. It's a very interesting question, and we have to look into it very closely. In each town, the problem is specific. The needs in Port Daniel are not the needs in Saint-Georges-de-la-Malbaie. The needs in Val d'Espoir are not the needs in Chandler. So we have to have a very good view of the needs of the people, ask them, and then try to get the funds and to develop alternative and possibilities. Merci beaucoup. Sentez-vous bien à l'aise? Vous voulez répondre en français aussi? Are those people ready to move away from their hometown? That's the problem. Because the people from Marcel Lane wouldn't move to Chandler. Of course not. That's why we do it in Port Daniel. See, you have to do it locally. You have to address the problem directly at a local. Oui, M. Blais, vous voulez répondre? Oui, je pourrais dire que it's very important to be concerned, but j'ajouterais que dans ces situations-là, ce qui est important aussi, c'est de tenir compte des possibilités que nous pouvons avoir sur le territoire. On l'a touché tantôt un peu, pas mal, la situation des personnes âgées. Et une des façons de faire en sorte de les aider beaucoup, c'est qu'ils puissent rester à la maison. Parce qu'effectivement, lorsqu'on reste à la maison, ça fait partie un peu pas mal de la guérison. Ça fait partie également aussi du mieux-être de la personne. Merci. Je m'excuse de vous bousculer. Monsieur Caillouette, vous vouliez ajouter quelque chose? Just the name of the person who asking that question. I don't have a question. It was like related here. I don't know. Someone would recognize himself. Quelqu'un peut s'identifier. Okay. Okay, but we're still working on that issue. Okay. We worked before on that issue. And I think it's not a matter of a linguistic issue. English-speaking people, as French-speaking people, still having some problem with lodging in some habitation. We have a project in Chandler on that issue, on the plateau. But we has been cut in budget in the MRC for helping elders' lodgement issue. We lost a lot of money. Guy Poirier was working on the MRC. Another person replacing him, but we lost a lot of money. Government cut the MRC on some, on peut dire en français, on a coupé les budgets là, en termes d'aménagement de maisons, de bâtiments. J'ai vu les films au début de l'année à la MRC de personnes qui attendaient de remplir des formulaires pour faire aménager leur maison. On s'est fait couper, malheureusement. Je pense qu'il faudra travailler fort pour avoir ces budgets-là. C'est à mon tour de vous couper. Là, on va devoir continuer avec une autre question fort intéressante concernant cette fois les pistes cyclables. La Beauce, les cantons de l'Est, les Laurentides, la Montérégie ont déjà eu l'audace de convertir leur ancien tronçon ferroviaire en piste cyclable, créant ainsi un attrait touristique majeur. Est-ce que vous pensez que c'est une alternative à considérer selon vous? Not at this moment.
On peut le faire en français, vous pouvez poser en français, mais vous pouvez y aller dans la langue de votre choix. Pas présentement, parce que là, on essaie d'avoir Via Rail pour notre service de train, mais si éventuellement, disons dans 3, 4 ans, 5 ans, qu'on s'aperçoit que le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, ils ont bien beau parler, mais qu'ils font rien de concret, ça serait une éventualité à regarder. D'accord. Par rapport... Oui, allez-y. Oui, par rapport aux pistes cyclables, je vous dirais que si on regarde l'histoire du chemin de fer, je pense qu'il est possible de travailler sur les deux volets. Il ne faudrait pas le perdre, ce chemin de fer-là, parce que c'est une infrastructure. C'est là pour quelque chose. C'est là pour nous aider. Mais en même temps, je pense très bien que les gens qui réclament des pistes cyclables réclament aussi de la sécurité. Mais il n'y a rien qui empêche qu'éventuellement, on puisse travailler sur un projet qui va faire en sorte qu'on va pouvoir utiliser les rails de chemin de fer pour le transport de marchandises et de passagers. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'aménager une piste cyclable juste à côté, là. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient réagir? Je trouve que c'est une excellente idée, l'idée de la piste cyclable. Par contre, je vous dirais qu'il faut avant tout qu'on explore les idées pour être sûr que le rail ne peut pas être utilisé dans sa vocation de base. C'est 120 millions, le rail, alors on ne peut pas s'attendre de ramener le rail si on n'a pas de marchandises. On se rappellera que ce n'est pas les personnes qui rentabilisent un train, mais c'est la marchandise. Moi, comme préfet, je m'engagerai de travailler sur le dossier du rail jusqu'à Port-Daniel. Je crois qu'on a matière à être en mesure de l'apporter jusqu'à Port-Daniel. Si on peut l'apporter plus loin, tant mieux. Mais avec l'information que j'ai à présent dans le développement économique, je crois qu'on sera en mesure de l'apporter jusqu'à Port-Daniel, mais pas plus loin que ça pour le moment présent. Monsieur Cahuet? Mais je pense comme plan B, je pense que c'est nécessaire d'évaluer différentes options pour le rail. Les pistes cyclables en est une. Moi, étant moi-même cycliste, ayant voyagé dans le monde sur des pistes cyclables, je pense que je suis à même de reconnaître l'apport économique qu'on ne voit pas nécessairement à court terme. C'est pas comme partir une usine avec 50 emplois comme ça. Mais je peux vous garantir qu'il y a des retombées économiques très importantes pour nos hôteliers, pour nos restaurateurs, pour ceux qui font de l'hébergement. C'est pertinent. Il faudrait évaluer si on était responsable, évaluer le plan B dans l'éventualité où les options du rail, auxquelles je continue de croire, ne fonctionnent pas. D'accord, Mme Bourget. Brièvement, je vous dirais que les pistes cyclables, pour moi, ça fait partie d'un tout qui est tous les chemins pour le récréo touristique, que ce soit les sentiers de motoneige, les sentiers de VTT, la route bleue, les sentiers pédestres. Alors, je disais en conférence de presse que je rêvais un jour qu'on ait un sentier pédestre qui nous permet de marcher toute notre MRC parce que c'est un lieu exceptionnel. Donc, il y a là toute une réflexion à faire globale. Et M. Berger, là-dessus? Bon, je dirais qu'une piste cyclable parallèle à une voie ferrée, c'est presque impassable parce qu'il y a des normes à respecter, parce que si le train est en opération, tu ne peux pas aller trop près d'une voie ferrée. Puis quand on parle de piste cyclable, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la piste verte. Elle est sectionnée un petit peu partout. Elle existe présentement dans notre MRC, mais appelons-la... pas vraiment la piste cyclable, elle est sectionnée. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis la voie ferrée, comme Mme Minassian dirait, je l'arrête à Port-Daniel, parce que Gascon, dans la côte à Chouinard, c'est tellement détérioré. Maurice me corrigera. Oui. J'aurais peur de passer à pied, imagine-toi, avec un train. Puis même à Port-Daniel, avant le tunnel, disons à 300 pieds avant d'arriver dans le tunnel, quand tu es au restaurant L'Étal, tu t'en viens sur le chemin de fer, à peu près à 300 pieds du tunnel, il y a eu un éboulement de terrain dernièrement qui fait en sorte qu'il n'y a à peu près pas plus que 7-8 pouces entre la voie ferrée et la falaise de 50-60 pieds. OK. Ça veut dire que c'est des gros investissements. Merci beaucoup, M. Engelhardt. On a une autre intervention ici d'un spectateur. C'est par courriel cette fois, donc un téléspectateur à la maison qui nous suit en direct. Un sujet qu'on ne peut pas éviter, le quai de Percé. Compte tenu de l'importance de Percé comme pôle touristique et du bras de fer qui se dessine entre la ville et les exploitants du quai, est-ce que la MRC aurait lieu d'intervenir à différents niveaux politiques pour aider à obtenir une solution équitable pour tous? Ne pas oublier le changement de gouvernement au fédéral qui constitue une ouverture du côté de l'infrastructure, ce qui n'était pas le cas auparavant avec l'ancien gouvernement. Ce n'est pas mon opinion, c'est ici, là. C'est écrit là-dessus. Il y a quelqu'un qui pose une question aux candidats et candidates. On y va dans cet ordre, M. Berger, et on suit comme ça. Percé, présentement, il y a déjà une rétrocession du quai, puis le fédéral s'est engagé à reconstruire un autre quai.
C'est sûr que le préfet qui va être élu, il va falloir qu'il appuie à 100% politiquement la ville de Percé, parce que le quai est un attrait touristique d'une importance capitale pour les bateliers. Et c'est sûr que Percé, le préfet ne peut pas ignorer Percé, puis c'est un incontournable pour le futur préfet. Madame Bourget? Le maire et son équipe de conseillers sont autonomes dans toute la gestion des situations à Percé. Je leur lève mon chapeau. C'est un dossier très complexe qui soulève toute une question d'appui de la population. Le mot me manque, excusez-moi. Mais je pense que je me vois comme préfet travailler en collaboration avec, que ce soit le maire de Percé ou les autres maires, dans des dossiers complexes et qui demandent beaucoup de communication. Ce qui me frappe par rapport à cette situation-là, c'est le besoin des gens d'exprimer leurs craintes, d'exprimer leurs besoins, puis la nécessité qu'il y ait un lieu d'exprimer ça. Merci. Monsieur Blais. Bon, je dirais la première chose, effectivement, il faut travailler de concert avec la municipalité concernée par un projet comme celui-là, qui peut être controversé, oui, mais à la limite, ce qui est important, c'est qu'on puisse arriver à une solution qui a de l'allure. Et le préfet ou la préfète, la personne qui va être élue, bien, il faudra qu'elle collabore avec les autorités, toutes les autorités, pour faire en sorte de tracer, à la limite, une façon de pouvoir s'en sortir pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Mais il est sûr et certain qu'un préfet ne peut pas s'immiscer dans une affaire d'ordre municipal. On n'est pas le boss des maires. Le prochain préfet ne sera pas un boss des maires. Le prochain préfet va travailler à rassembler, à faire en sorte d'aider, de concert et ainsi de suite. Mais nullement, il n'aura à intervenir de façon à faire en sorte de changer une décision, mais il va sûrement travailler en collaboration. Et ça donne bien que par rapport au dossier, à ce dossier-là du quai, mais au fédéral, disons que j'ai de certaines petites connaissances encore par rapport au fédéral. Merci, ça pourrait aider. On enchaîne. Le quai à Percé, c'est le même problème que la promenade à Percé. La promenade à Percé, la ville a accepté la promenade du gouvernement provincial. Puis aujourd'hui, à toutes les grosses tempêtes, la ville est obligée de quémander au gouvernement québécois pour des réparations, pour des argents. Fait que moi, ma recommandation comme préfet, c'est bien beau, je vais travailler avec les maires, mais tu as quand même un pouvoir de recommandation. Si moi, j'avais été le maire de Percé, jamais de mon vivant que j'aurais accepté le quai du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral ne peut même pas... On pourra poursuivre la discussion un peu plus tard. Le gouvernement fédéral ne peut même pas... Monsieur Angelat, on peut s'en tenir l'entretenir. Comment voulez-vous qu'une ville comme Percé puisse le faire? Monsieur Caouette, maintenant, à vous. Voici un bel exemple d'une patate chaude, refilée par des gouvernements qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Et ce sont les municipalités, maintenant, qui doivent gérer les crises que cela crée dans les milieux. On peut comprendre les différents points de vue qui sont manifestés. Et pourtant, moi, je pensais que le Percé, ça aurait pu théoriquement être le dossier le plus facile à régler, puisque ça génère beaucoup de gens qui trafiquent sur ce quai-là, et donc des revenus potentiels. Donc, théoriquement, c'était le dossier le plus facile à régler, et on voit bien que ça ne l'est pas. On voit bien que ça ne l'est pas. Et moi, je me vois mal comme préfet, Mme Bourget en avant de moi, je me vois mal comme préfet dire en début de rôle, moi, fais ci, fais ça, dire au conseil municipal, je peux exprimer un souhait que ça se règle, par contre, pour le bien de tout le monde, parce que c'est une infrastructure primordiale pour la ville de Percé, pour les pêcheurs, pour les bateliers et pour la ville. Aller au-delà de ça, ce serait de l'ingérence, puis c'est pas le rôle du préfet de commencer à se mener des dossiers Merci de cette nature. Merci beaucoup, M. Caillouette et Mme Minassian. C'est sûr que je vais aller dans le même sens. Un préfet n'a pas le rôle de faire de l'ingérence dans les affaires des municipalités. Par contre, je pense qu'il y a une réflexion qui doit être apportée sur tout le dossier de la rétrocession des infrastructures que le gouvernement est actuellement en train de faire. Dans le cas de Percé, on parle de la capitale touristique du Québec. Alors, je pense que la situation auquel la ville a été confrontée, c'était avoir un quai ou pas avoir de quai. Et ils ont essayé de trouver la solution la plus raisonnable pour être en mesure d'avoir un quai. Mais c'est sûr qu'on est dans de la gestion du changement. Il y a des tensions, il y a des négociations qui doivent avoir lieu. C'est extrêmement difficile la situation dans laquelle que Percé a été mise. Ceci étant dit, comme MRC, je crois qu'on pourrait être en moyen avec les maires de se développer une ligne de conduite pour des dossiers de rétrocession des infrastructures. On va l'avoir bientôt aussi avec le quai de Chandler, on va l'avoir avec d'autres infrastructures sur le territoire et on doit être prêt à savoir comment accueillir, recevoir ou refuser les infrastructures qui nous sont rétrocédées. Un
Autre sujet, quelle est votre position sur l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures en Gaspésie et dans le Golfe? Deux éléments. Oh, okay. Certainement un qui concerne les ressources d'hydrocarbures, mais on parle d'exploitation et d'exploration. Bien, comme dans tout projet qui concerne un développement potentiel de nos ressources, c'est sûr et certain que l'acceptation citoyenne passe en premier. Je regarde le dossier de Port-Laniel. Il y a peut-être bien des gens qui ont dit « Ah, ça n'a pas d'allure du côté environnemental. » Mais moi, à ce que je sache, je suis originaire de Port-Laniel et les gens à Port-Laniel-Gascon voulaient de ce dossier-là, veulent de ce dossier-là. L'acceptation citoyenne passe avant tout par rapport à tout ce qui est exploitation, exploration, quoi que ce soit. Mais c'est sûr et certain que le deuxième élément, il faut que ça soit fait de façon responsable par rapport à l'environnement également. Mais un des premiers éléments, c'est de faire en sorte que l'acceptation citoyenne soit considérée. Hydrocarbures, M. Berger? C'est sûr qu'il y a des normes à respecter environnementales. C'est sûr qu'avoir un BAP pour chaque dossier qui est présenté, c'est important aussi. Mais si que les normes sont respectées, parce que tu as des prises d'eau potable, tu as des puits d'eau potable, puis quand tu fais par fragmentation, là, c'est sûr qu'il faut faire attention. Puis l'exploitation de nos ressources naturelles, pourquoi que nos coffres à Québec sont vides? Parce que nos ressources naturelles, on n'a plus rien de nos ressources naturelles, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz naturel, que ce soit nos mines. C'est mort présentement, puis tant et aussi longtemps que ça va être mort, bien, nos coffres ne seront pas refloués. D'autres qui veulent commenter ici, M. Angola? Le gaz naturel, oui, parce que le gaz naturel, c'est seulement du pompage. En Alberta, moi j'ai travaillé en Alberta, des puits de pétrole, t'as la grange, t'as le puits d'eau, puis t'as le puits de pétrole à côté. C'est comme ça, pour le gaz naturel, il n'y a aucun problème. Pour la fracturation, c'est autre chose. Pour la fracturation, il faut vraiment que ça soit éloigné des maisons, puis c'est quand même dangereux pour les éboulements de terrain, puis même gâcher tes nappes phréatiques. Ça veut dire que moi, personnellement, la fracturation, non. Gaz naturel, oui. Monsieur Cadouet. Dans l'état actuel des connaissances et des techniques de forage et d'exploitation pétrolière, pour l'importance de notre environnement et de notre écologie reconnue à travers le monde, pour l'importance du tourisme et des pêches qui sont les moteurs de notre économie, c'est non. On verra dans 10 ou 15 ans si les techniques auront évolué et nous permettra. Et pour l'état de la santé humaine, parce qu'on parle d'eau potable, on est rendu à des enjeux trop importants pour notre région dans l'état actuel que l'on connaît, les techniques de forage et d'exploitation, c'est non. Nomination? Moi, c'est oui. C'est sûr que je crois à l'exploitation de nos ressources naturelles. Ceci étant dit, ça doit être fait toujours dans le respect de l'environnement, dans le respect des citoyens. C'est certain qu'on ne doit pas accepter des projets qui vont venir au détriment de notre santé, au détriment de notre région. Par contre, on le voit et on le voit concrètement avec le dossier de ciment mécanisme qu'au départ, on croyait être un dossier qui allait devenir, comment qu'on l'a nommé, la poubelle du Canada. La poubelle de l'Amérique. Et aujourd'hui, on voit que tonne pour tonne, c'est le dossier qui est environnementalement le plus viable dans le monde. Alors, on doit explorer, on doit exploiter nos ressources naturelles, mais on doit s'assurer de le faire avec des entreprises qui respectent l'environnement et qui respectent les citoyens où ils s'installent. Dernière question, parce que le temps nous presse en même temps. Mme Bourget, allez-y. Oui, OK. Donc, je vais dans le même sens que Mme Magnassian. Dans le fond, le danger, c'est quand l'économie se porte tellement mal qu'on est pris en otage pour accepter des projets parce qu'on a besoin de faire rouler l'économie. Donc, il faut de la prudence, il faut être vraiment sensible à l'acceptabilité sociale, puis il faut communiquer avec les gens. Il ne s'agit pas juste que ce soit respectueux de l'environnement. Encore faut-il que les gens le croient, et ça demande de l'éducation populaire. Merci beaucoup. Alors, on arrive au terme de cette portion du débat. On arrive au mot de clôture, on s'excuse. Il y a des questions qui étaient adressées à des gens de façon personnelle et un petit peu cavalière, donc je me permettrai de ne pas les poser. Maintenant, pour gagner du temps, on va laisser le mot de la fin, comme c'était convenu à chacun des candidats et des candidates. Je vous demanderai de faire encore un exercice encore plus rapide de concision. On avait prévu 2 minutes chacun, mais ça nous ajoute à peu près 15 minutes. Est-ce qu'on peut le faire, le mot de la fin, en 1 minute chacun? Oui. Ça peut être un consensus pour tout le monde. Oui, oui. Merci infiniment. Alors, dans l'ordre qui avait été prévu, on commence avec Mme Minassian.
Je vous dirais que depuis la dernière heure, on a parlé beaucoup des dossiers qu'on a déjà tous touchés. On a parlé d'expérience aussi. Il y en a qui ont jusqu'à 35 années d'expérience. C'est sûr que je ne peux pas compétitionner avec ça. Mais ce que je suis capable de faire, par exemple, c'est de vous parler de la vision que je vois pour les 35 prochaines années. Je suis la seule candidate qui est issue du monde des affaires. Je suis aussi la seule candidate qui a deux jeunes enfants à la maison. Alors, c'est sûr que j'ai une... Je comprends la réalité des entrepreneurs et je comprends aussi les défis quotidiens qu'une jeune famille a dans la MRC du Rocher-Percé. Je vous dirais que pendant la campagne, certains de mes adversaires ont propagé que je ne pourrais pas faire la tâche de préfet parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un commerce, que je n'aurais pas le temps. J'aimerais arrêter ça tout de suite et vous dire que la raison pourquoi je me présente, c'est parce que j'ai des enfants et je veux être certaine que la MRC soit un lieu où ils veulent revenir vivre plus tard. Dans mon dépliant, je parle de bâtir une MRC dont on rêve. Moi, j'irai un petit peu plus loin. Dans la semaine de la persévérance scolaire, j'ai eu la chance de parler à certains jeunes et ce que j'ai réalisé, c'est qu'on doit bâtir la MRC dont ils rêvent. Si on veut avoir l'occupation du territoire, on doit ramener les jeunes chez nous. Ce que je propose après les élections, si je suis élue préfet, je veux consulter les jeunes, je veux être certaine d'avoir leur point de vue, de bien comprendre c'est quoi leurs attentes, c'est quoi qu'eux veulent dans la MRC pour qu'on soit en mesure de bâtir un plan de développement qui répond à leurs aspirations pour qu'ils reviennent vivre chez nous. Merci, Mme Minassian. Merci pour cet exercice de concision. 1 minute 15, M. Caillouette, à votre tour. Oui, j'aimerais vous lire un extrait d'un message qu'une anglophone que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mon travail m'a acheminé il y a quelques jours. Alors, c'est en anglais, vous me pardonnerez mon anglais pas parfait. « Your commitment and passion cannot be matched, and your authentic, exuberant, yet natural passion for your region is the essence of real representation. » Advocacy and change. When you win, the MRC Rocher-Percé wins. For what it is worth, and proud to know you, man. C'est dans cet état d'esprit et d'ouverture que nous devons et que nous allons travailler ensemble. Qu'importe notre langue maternelle, qu'importe nos origines ou nos allégeances politiques, nous sommes tous dans le même bateau. Nous coulerons ensemble ou nous nous relèverons ensemble. La première option n'est évidemment pas envisageable. Et je vous promets que vous aurez un préfet représentatif de vos attentes. Ne nous laissons pas influencer par une petite minorité, incapable de voir le développement de notre région et de notre MRC autrement que d'un œil partisan et souvent malsain. Les enjeux sont trop importants pour que l'on colore d'une couleur ou d'une autre. Votez avec vos tripes, votez avec votre cœur, mais votez pour celui ou celle qui fera, à vos yeux, le ou la meilleure préfet. Point. Bon vote et allez voter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Engelhardt, à votre tour. C'est vrai que la passion, c'est mon mot. C'est mon mot. Moi, je travaille avec la passion, je travaille avec cœur, je travaille avec les gens. La preuve, c'est que la dernière fois que je me suis présenté à la préfecture à Gascon, il y a 80 % des gens qui ont voté pour moi. Ça veut dire que les gens qui me connaissent, ils votent pour moi. Ça veut dire que ceux qui ne me connaissent pas ne voteront pas pour moi, c'est sûr. Mais si vous me connaissez, vous savez l'ardeur que je mets au travail, puis avec toute la créativité que je peux avoir, je suis un homme d'action. Exemple pour le chemin de fer, là, j'ai pris mon vélo cet été, j'ai descendu à Chandler, j'ai pris mon vélo comme ça à côté de moi, puis j'ai marché jusqu'à Newport sur le chemin de fer. Pour aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une taille, un morceau de bois sur deux qui est prêt à aller aux poubelles. Puis quand je vous parle de l'éboulement de terrain à Port-Daniel, c'est parce que j'ai été voir. Moi, je suis comme ça, je vais voir. Comme la passerelle à Percé, j'ai été voir. Quand je parle de la passerelle à Percé, j'ai vu, je suis un homme de terrain, quelqu'un qui est capable de travailler avec beaucoup de monde. Puis je sais qu'il y a des maires ici, puis il y a des conseillers, puis M. Bernard Steven pourrait le témoigner autant que n'importe quel autre maire qui a travaillé à travers le temps avec moi. Sauf qu'il y a eu des conseillers à des époques qui voulaient prendre ma place. Ils se sont présentés contre moi, puis il y en a un qui a eu 3 votes. Merci beaucoup, M. Engelhardt. Merci infiniment. C'est au tour de M. Blais pour le mot de clôture. Donc, prioritairement, j'entends mettre l'emphase sur les services destinés aux citoyens, particulièrement aux personnes les plus vulnérables et à faible revenu. Une société digne de ce nom a l'obligation de bien s'occuper de son monde, de tout son monde.
Pour que nous puissions progresser, il nous faut également des infrastructures en bon état et du transport adéquat et accessible. Ce n'est pas vrai que nous devons nous contenter de miettes ou encore de demi-mesures et encore ou encore faire des sacrifices par rapport à une infrastructure par rapport à une autre. Au fil des dernières années, nous avons été plus souvent qu'autrement sur la défensive. Pour tout vous dire, nous n'avons pas à être gênés de revendiquer. Nos demandes sont légitimes et si on ne le fait pas, d'autres, comme Montréal et Québec le font déjà, n'hésitent pas à en vouloir toujours plus. On n'est pas des quêteux, on réclame tout simplement notre dû. Et je terminerai en disant que nous ne sommes pas seuls, nous sommes plus de 17 000 dans la MRC Roger-Percé. C'est beaucoup de monde et ensemble, tout est permis. Merci beaucoup. Merci, M. Blais. Autour de Mme Bourget. Alors, je veux vous dire ceci. Mon père a 4 filles. Il était mordu de politique et il en voulait une qui fasse la politique. Les 4, on a dit non. Alors, comment ça se fait que ce soir, je suis ici devant vous à vous demander que vous me fassiez confiance? Je vous jure, à Val d'Espoir, au cimetière, la terre doit trembler parce que mon père doit se tordre de rire. Mais dernièrement, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. Mes parents ont réussi à m'insuffler la passion, puis je rejoins M. Englert, la passion de mon milieu. J'ai eu ici une enfance heureuse, bien qu'on était dans une famille modeste. J'ai eu une adolescence heureuse, même s'il n'y avait pas tous les sports. J'ai eu une vie adulte et professionnelle totalement remplie, puis j'ai dit non à des occasions de promotion à Québec, puis aujourd'hui, j'en suis totalement fière. Et c'est avec ce cœur-là et cette expérience-là que je vous demande de me faire confiance. Je veux dire quelque chose que j'ajoute, Nadia, parce que casse-toi pas la tête, tu as 2 jeunes enfants, tu vas être aussi bonne que moi à l'époque où je suis devenue directrice du centre de détention. Ashley, ma plus jeune des 3, avait 5 mois. Donc, on s'organise, hein? On apprend puis on gère le temps. Mais d'un autre côté, je veux dire, Nadia, que tu n'es pas toute seule à être une femme d'affaires. Je me sens une femme d'affaires, puis pas pour le petit dépanneur que j'ai eu, parce que j'ai géré 150 employés, un budget de 7 millions, j'ai géré des problèmes, j'ai eu du plaisir, j'ai trouvé des solutions, j'ai ouvert Percé qui a créé 70 emplois, si vous saviez ma fierté. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Merci. Et le mot de la fin qui revient à Monsieur Berger. Moi, je veux que les gens profitent de mon expérience et de mon expertise, présenter des dossiers structurés pour aller chercher la volonté politique. Je ne suis pas quelqu'un de grand discours, je suis quelqu'un de terre à terre, je suis un battant en travaillant. Et aussi, j'aime travailler avec les gens, mais disons que j'ai un problème, vous êtes rendu compte, je bégaye un peu, mais ça ne m'empêche pas de travailler. J'ai développé dans la santé durant les 15 dernières années. Puis les dossiers que j'ai toujours amené les dossiers à terme avec une équipe. Tu ne travailles pas tout seul en vase clos, tu travailles en équipe. Et en équipe, tu peux aller très loin. Et j'aimerais aussi que les gens aillent voter le 21 et le 28. Plusieurs pensaient que parce que je suis à ma retraite, j'avais 70 ans, puis je suis en pleine forme, je suis capable encore de travailler. Puis pour les 18 derniers mois qui restent, je pense qu'avec l'expertise et l'expérience que j'ai, je suis capable de faire, je suis capable d'être à la hauteur de la tâche. Merci beaucoup, M. Berger. Merci. Alors, on est rendu à la fin, simplement pour remercier tout le monde, les participants, les candidats et candidates. Merci d'avoir participé à ce débat et d'en avoir respecté les règles. Merci au public aussi d'être venu ici et ceux à la maison qui ont suivi le débat. Je veux surtout remercier et féliciter TVCGR, la Télévision communautaire de Grande-Rivière, Télévague également de Saint-Godefroy, parce que ces deux télés se sont mis ensemble pour travailler, oublier les différences territoriales et travailler ensemble, c'est peut-être un des mots à retenir de la soirée. Enfin, le journal Le Foot Bassin est fier de s'associer à cet événement. Nous, pour éviter tout conflit d'intérêts, je vous assure, moi, je n'ai pas été payé ce soir, on n'aurait pas accepté de faire un engagement communautaire, comme la plupart des gens le font. On l'a fait gracieusement et on a même refusé de vendre de l'espace publicitaire à des candidats. Donc, le journal va faire relâche en février, mais sera là pour vous révéler à tout le monde le programme, cette fois, du préfet ou de la préfète quand l'élection aura eu lieu. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée, tout le monde. Je vous rappelle, comme l'a dit un de nos candidats, le vote par anticipation, c'est dimanche le 21 février. Le jour du vote, c'est le 28, jour de l'élection partielle.
Et puis, je termine en vous disant qu'il y a des esprits cyniques qui s'amusent à dire qu'on a les politiciens qu'on mérite. Bien, c'est à nous tous de les faire mentir et de choisir le meilleur ou la meilleure pour nous représenter. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.